Salut YouTube, bienvenue. Nouvelle soirée multi ce soir sur Total War Warhammer 2. On va rejoindre la fine équipe dans quelques instants. Ce soir, on sera avec pas mal de monde. Alpha Trauma, JDG, on sera avec Sansu Eventis. Je crois que j'ai dit tout le monde. Enfin, vous verrez bien, on va les rejoindre. Je vais lancer le jeu, tiens, comme ça, ce sera déjà fait. Et ben voilà. Attendez, je gratte à la porte du TeamSpeak. Au secours! Voilà. Merci d'avoir rejoint. On arrive, on arrive, on arrive. Merci Jormungand pour les 13 mois. Bonsoir Maf, hâte de voir ce qui se passe ce soir avec le sel à la clé. Ça va être très cool ce soir, je pense. On va pouvoir se faire des 3v3 avec des armées en réduisant un peu la taille des armées, ce qui était très cool. On a fait ça plusieurs fois et ça donnait vraiment super bien. Donc on va pouvoir se faire ça ce soir, évidemment. Attendez, j'enlève mes mods. Pom pom pom. Tout désactivé, oui. User entered c'est your parti. Channel. User left your channel. Allô? Maf était bloqué. Ouais, oui, je grattais à la porte. Dans l'ascenseur. J'étais dans l'ascenseur. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ça va bien? Comment ça va? Bon, ça va. Ça va. Super, j'ai fait du Gundam cet après-midi, c'était trop bien. Oui. J'ai vu ça. Monsieur Cast, vous n'arrivez pas à décrocher. Ouais. Je te voyais il y a 5 minutes, mais t'as mangé là? J'ai pris un bout de truc. De la peinture, oui. J'ai pris une soupe. Chez le plâtre. J'ai pris une soupe et hop, c'est bon, c'est bu. Non, j'ai pas pris grand-chose, mais ça suffit, c'est le soir. Faut pas manger trop, sinon tu joues fond de cours. Pendant le live, t'es fatigué. Non, ça va le faire. Ça va le faire. Mon parfait. Jeu est installé cette fois. Ah, parfait. Une évolution, c'est bien. Quand tu t'améliores. Ah, t'as vu. Je hausse la game. Il manque plus qu'Eventis normalement. On est combien là du coup? Donc, on va être 6. Avec Eventis, normalement, on est 6. Yes, bah parfait. Donc, du coup, c'est un chiffre pair, hein, il me semble. C'est bien ça. Alors. Tout à fait. Je crée la game. Comment je vais appeler la game? Il faut trouver quelque chose de. Comment j'appelle la game? Blood Bowl. Je n'ai que ça en tête. Allez, eh ben ce sera Blood Bowl parce que j'avais pas d'idée. La créativité, c'est pas là. C'est parti, la game est créée. Mot de passe habituel, vous le savez. Ah, le mot de passe ultra sécurisé. Exactement. Rechercher, oui. Eh, mais il y a du monde ce soir, dis donc. Bah ouais, c'est cool. Alors qui est en live là? Alors moi j'ai oublié c'est quoi le mot de passe. 1, 2, 3, 4. Someone be an attacker. C'est vraiment ça. Et t'aurais peut-être pas dû le dire du coup, non? Non mais c'est pas grave, on est avec des gens civilisés sur Total War, ils ne rejoindront pas la game. Connu Warhammer est cool. Échec de connexion. Someone be an attacker count. Il y a OD chat qui a rejoint, je vais le virer, c'était pas... C'est des conneries. Du coup, je sais pas si Eventis c'est en retard ou quoi. Attends, Alpha, faut que tu ouvres plus de slots, je crois. Ah oui. T'as mis en 4v4. J'ajoute un joueur humain. Hop. C'est parti. J'ai vu l'équipe de Alphelin sur Blood Bowl, ça a l'air très rigolo. Ouais, ils sont cool, hein. J'ai vu tout à l'heure. C'est l'équipe troll, hein. Oui, bah oui, ça se voit. C'est le mec qui joue Dan dans Street Fighter et joue Alphelin sur. Ouais, c'est un peu ça, c'est l'équipe troll. Je vois. Ouais, mais ils ont l'air marrants en tout cas. Là. Les figurines ont l'air très très rigolos. Bon, en même temps, les Alphelins, c'est un peu l'armée troll par défaut, quoi. Un peu. Un petit peu. Alors, bon, Sansou est pas encore là, bah peut-être au pire, caste la première. Ah non, Eventis, pardon. Eventis, Sansou, de toute façon, c'est les mêmes, ils sont inférieurs. Possible à battre les deux. Bah super. Il y en a un qui est orc, il y en a un qui est Nétron, qui est Nétron. Oula. Oh, il y a un lapsus, là. Il est Nétron, vas-y, tout. Un Nétron, ouais. Tu viens d'insulter mon allié, là. Hein. Ah, ça va rester, ça. C'est parti tout seul. Ah oui, bah, c'est bon. Ira. Mais je suis fatigué, moi aussi, et c'est bon. Paris, je te jure, quoi. Les nétrons, quoi. Les nétrons, mais oui, c'est pas mal. Parfait, pourquoi j'y ai jamais pensé. Mais c'est vrai que quand il nous fera chier, on l'appellera le nétron. Hein. Avec son nétron, là. Ouais. Infernal. Gros début de soirée. Je vais caster là. Je caste la première. Comme ça, si je me fais saucer la gueule, je pourrais... Ah merde, mais je crois qu'il faut que je recrée... Ah, faut vraiment que je recrée la game, là.
Non, bon, si alors, tu non, la quittes, ça va. Il y a un host automatique Merci qui va se mettre. Rejoint. T'es rejoint, ouais. Je pense. Je quitte. Et voilà, c'est sans rejoint. Sous. Yes. Ah ouais, il y a une place en spectateur, donc c'est bon. Il n'y a qu'une game actuellement dans le monde, la nôtre. J'ai vu dans le serveur bronzer, il y a juste notre game, c'était trop bien. Mais t'as rejoint je comme joueur. Je suis pas en spec, je suis un débile. Fatigue. Je rejoins pas en spec. Attends, comment je fais pour... Ah oui, c'est regarder. Rafraîchir. Voilà. Regardez. Comment on fait on se réunit en privé et on choisit nos strats ou quoi? Ouais, ouais, habituellement c'est comme ça. Ouais, comment on fait mais d'un mais mon doigt, il a cliqué. Du coup, ça part sur Sansou, Fred contre Maf et Troma. Ouais, on peut faire ça. Tu voulais, ouais. Je sais pas, c'est à l'autre. C'est mis comme allez, ça. Allez, comme vous le voulez. Là. Allez, bah, je vous sépare. Parfait. Allez, ça je vous sépare. Et donc. Allez, bonne chance. User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. C'est bon, vous êtes entre vous. Nous sommes entre nous. Entre vous. Avec l'arbitre. Vous allez jouer quoi du coup là? Dites-moi comme attendez, ça. Attendez, moi je veux d'abord connaître le prix de l'arbitre. Je vais donner. Le prix de l'arbitre, c'est d'y aller mollo quand on joue sur le jeu de plateau. De jouer avec 800 points de moins. Je croyais que t'allais me dire, bah c'est 3 Riptide. 3 Riptide à pinte, par contre. Au secours. Pinte, pas en boîte. Pinte. Parce que c'est le cadeau empoisonné, ça. Tiens, je t'ai offert Nagash. Allez. Oui, j'avoue. Amuse-toi. Allez, et là, bon chance. Mode, je peins depuis une semaine. Merci. Merci tonton, mais je peins depuis une merci semaine. Merci Pearl Harbor pour les 10 subs, merci Kinobo pour les 5 subs, merci Galmody pour les 5 mois. D'accord. Merci d'avoir rejoint quoi l'homme. T'es en live? Oui. On est en squad? Ouais, tu peux mettre squad. On peut faire squad alors. Est-ce que... Ouais, écoute, Maf, soit je joue la sécurité bretonnie, mais à force, même moi j'en ai marre. Ça fait 3 ans, 4 ans que je la joue. 5 ans. Soit je joue autre chose, et puis... Mais je comme sais pas si veux. Je serai d'une grande utilité, quoi. Faut... Voilà, je sais pas. Bah écoute, je sais pas du tout quel est le niveau de Fred sur le jeu. On a jamais joué ensemble. Dark Elf, il avait été pénible, je me rappelle. Hein. Et le reste, je me rappelle plus trop, ouais. Okay. Dark Elf, un soir, il m'avait counter. Avec des piquets d'Albardi, bon, en même temps, hein, compteur bretonnie. Mais ouais. Je sais pas. Hop. Voilà, c'est bon. Comme tu veux. Bah, si tu veux jouer autre chose, mais jouer cavalerie, on peut faire ça. Hein. Comme ça, t'es sur un gameplay assez proche. Moi, je vais varier. Je vais varier. Je pense à Maf. Ouais, je vais varier. Alors ils ont, je sais pas s'ils partent sur Norse. Enfin, écoute, de toute façon, on va choisir nos factions sans faire attention au lore. On se prend un truc un petit peu lore. Bah écoute, ouais, si tu veux. Je sais pas. Moi, je pense. User joined your channel. Pense partir sur. Summon the Elector Count. Sur. Ouais, je pense partir sur O-Elf hein, avec pas mal d'archers, des sœurs d'Avelorn. D'accord. Ouais. O-Elf. Alors. Hein, là, là. O-Elf. J'ai envie de changement. Un changement, c'est maintenant, comme il disait l'autre. Ouais. Alors, les O-Elf, il y a plusieurs choix. Bah, soit je peux jouer les Bretos. Ouais. Ça va bien ensemble, je trouve, hein, O-Elf et Bretos. Oui, ah, c'est bien, juste oui. Ce que tu veux. O-Elf Empire, c'est pas trop mal non plus. Après, si on peut avoir une grosse fronde, c'est cool, j'ai pas mal d'archers. Bah la cave c'est bien pour protéger les archers aussi, mais ouais. Sauf si on les suicide dans les 60 premières secondes de jeu, ce qui était mon cas la dernière fois que j'ai joué Broto. C'est vraiment, fais ce que tu veux, joue ce que tu veux, je suis là pour le fun toi aussi. Allez, je vais sortir Jeanne. Je suis en train de faire une campagne avec elle. Nice. Ah, je left your channel. Allô? Oui. Bah qui est-ce qui était dans le channel et qui est par... Ah c'est Alpha? Oh, c'est Albus je pense, oui. Alors, est-ce qu'on garde du coup les règles de deux unités d'artillerie Oui, je crois. T'en prends toi, non? Non. Bon, alors je prends deux trébuchets, voilà. Comme ça, tous okay. Les spécialistes du multi sont déjà en sueur dans le chat. On va prendre Jeanne, évidemment, sinon c'est pas drôle. Alors, je vais prendre ça aussi. Une cave, mais pas beaucoup. Un régiment de cave, je pense que prendre. Oh ouais. Jeanne, ça peut être un sacré bon tueur de perso, j'ai vu dans la campagne. Oui. Assez violente, hein. Ouais. Et sur magie, tu pars sur quoi?
Je vais pas partir sur de la magie. Enfin, si j'ai le... Attends, je réfléchis. Ouais, non. En fait, je vais partir sur du full soutien des sœurs d'Avelorn. Je vais partir sur une demoiselle d'honneur de la Reine Éternelle pour Laura. Tu ne prends pas de magie? Non, je peux en prendre si tu veux. User joined your channel. Je vais en prendre. Oui, il faut toujours prendre de la magie. T'as des sorciers qui coûtent pas cher, hein, sinon. C'est vrai. Si t'as pas beaucoup de budget pour ça, mais il vaut toujours mieux avoir ne fût-ce qu'un mage qui coûte pas cher, mais qui peut te lancer, tu sais, un petit sort de buff ou de debuff ou un truc comme ça. Ça peut, c'est énorme le soutien que ça apporte dans une game, en fait. Ouais, t'as raison. Est-ce que je prends le light ou cieux? Les cieux, c'est une valeur sûre. La lumière, il y a du bon debuff. Il y a du bon buff dedans aussi, la lumière. Il y a du filaire en plus, ce qui est toujours sympa. Oui. Amine top, oui, c'est vrai. Ok, ce que je vais faire... Ah putain, attends, j'ai viré mon seigneur. Ah, quel toto. Ok. On va faire ça. On va prendre... Oh, c'est un peu sale ce que je suis en train de faire. Si je les jouais bien, ça serait vraiment un truc fou pour combiner avec tes archers, mais... C'est un peu sale. As you want. Alors attends, Norse, ils ont l'air de rester là-dessus. Hein. Norse et... Ah ouais. Oh, bah oui. Alors, bon. Du coup, s'il y a des grosses bêtes chez Fred, c'est toi qui vas devoir les abattre. Ok. Et les sœurs d'Avalorn, elles font ça très très bien. Oui, c'est vrai, piercing armor en plus, un dégât magique. Ah oh ouais, c'est... Ils sont là, ils sont plus là, avec les sœurs de... avec les sœurs d'Avalorn, c'est de la folie. Je prends une mage beast avec une évoque manticore, t'en penses quoi? Ah ouais, c'est cool. Très mal. Moi je trouve ça bien aussi parce que la manticore, c'est le genre de truc, vu que c'est une invoque, c'est gratuit en points, tu la fais popper, tu l'envoies où tu veux pour aller scotcher l'ennemi et l'embêter, et tu t'en fous si elle meurt, donc c'est très bien, moi je trouve l'invoque. C'est de la micro-gestion en moins. Tout à fait. Par contre, faut bien lui désactiver le... Faut lui désactiver le mode garde pour être sûr qu'elle se retrouve pas à voler comme... comme une idiote au-dessus des troupes adverses, parce que sinon c'est un peu triste. C'est vrai ça. T'as raison. Alors est-ce que je prendrais un peu de paysan quand même, histoire de faire du blocage? Ouais, je vais prendre un peu plus de masse parce que le DPS on l'a dans l'armée et dans la cave. De la masse, t'as raison. Ah non, c'est un aigle chez les hauts elfes, hein, la transformation de cadence. C'est pas une manticore, j'ai l'impression. Oui, mais c'est pareil. C'est l'équivalent. Oui. Ouais. Ok. Bon, alors, moi, je vais avoir Jeanne qui va être sur cheval avec la damoiselle en full buff avec avec plusieurs unités de cave, mais dont deux chevaliers du Graal, et je pense que je vais essayer de les jouer à fond. Bonsoir. Ok. Oui, bonsoir. On va commencer du coup. Ça va? Oui, ça va, et vous? Ouais, nickel. Alors, t'étais empêtré dans ta session de folie figurine? Bah en fait j'ai pas vu le temps passer, j'ai commencé à 15h, je lève le nez, je vois... Ah J'ai commencé à 15h jeudi. C'est ça, la veille. Moi c'est bon là, je pense. Je peux venir spectate ou pas? Parce que oui, mais c'est peut-être c'est peut-être un poil trop tard là. Je sais pas. Vous avez lancé? Non, je pense que tu peux. Je vais tenter. Je sais pas si tu peux encore jouer. Ils ont fini de sélectionner leurs troupes. Pareil. Ouais, mais let's go. Demande à Sansou d'augmenter un slot de spec si tu veux join, sinon tu pourras pas join. Non, mais tranquille, dans ce cas, je regarde le stream. Ok. C'est bon pour moi. Très bien, ça va être bon, incroyable. Allons-y. Eh bien, j'ai la chef, que les dieux vous soient favorables. Oui. Bien, merci, mon cher Alpha. Bon cast. Parfait. Des quêteux à la place des errants, ce serait pas plus safe?
Les quêteux, c'est quand même plus cher. Ouais, c'est quand même vachement plus cher. Et puis, je sais pas. Je vais les jouer en mode full cycle charge. Je sais pas, les errants en multi, je crois qu'ils valent quand même la peine parce que tu peux en... Regarde ici, pour pas trop cher, j'en sors 3 quoi. Et en plus, je me dis que les chevaliers errants, toi qui joues beaucoup Breto, Trauma, je pense que tu étais adepte aussi de cette tactique-là. Tu prends tes grosses unités de cave et tu les protèges avec des unités de cave plus faibles oui, au besoin. Tout à fait, je l'ai fait pas mal ça récemment justement. Ça, c'est, ça marche bien ça. Oui. Oh, si on peut prendre le mid là. Pour placer les Avalorn. Ouais, j'avoue. On va voir un peu ce qu'ils ont. Alors bon, ils peuvent pas avoir énormément de trucs à grande distance. Et vu que moi j'ai 2 trébuchets, on va pouvoir les obliger un peu à venir. Tout à fait. Et après, ouais. Premier truc qui passe, première grosse bestiole qui passe à ta portée, bah... Totalement. T'as pris quoi comme mage finalement? Ah oui, la bête. Parfait. Écoute, moi j'ai envie de te dire, ne prenons pas la butte. Ouais, tu veux pas hein? Ben, okay. En fait, si on la prend, mes trébuchets ils servent à rien. Oui, tout à fait. On peut les poules. On va les poules sur nous. Hein. Alors que si je les mets un peu, regarde, tu vois comme ça. Voire même un peu plus comme ça. Tu as raison. Et là, franchement... Pas d'unité assez coûteuse, donc on va... Je ferai beaucoup de dégâts, mais... Bon, tu sais comment c'est, hein, si on peut absorber des dégâts avec tes squishy. Ouais, ouais. Antonien. J'ai des paysans, ils sont là pour ça. Bien. Payer des impôts et mourir sur le champ de bataille, tel est leur destin. Oh, notre placement est coquet, hein. Je dirais même vicieux. Mais la bon, stratégie coquet, ça j'avoue. Tout ce qu'il faut. C'est pas mal. Ouais, est-ce que je claque vraiment toute ma cave de ce côté-là? T'avais une unité de cave, toi? J'en ai pas pris au final. D'accord. T'as ton dragon. Ouais, c'est ça. J'ai 3 charges de souffle, évidemment. Je crois que je vais... Ouais. Fais juste attention à ton flanc droit parce que je saurais pas trop le... Non mais attends, ils vont d'office s'attendre à ce que je sois là. Parce que c'est ce que j'avais fait la fois passée, enfin un truc trop similaire. Je vais mettre de l'autre côté. Ok. Comme ça, je me couvre moi-même avec mes unités pour Rav pour me défendre et je peux couvrir ton flanc droit. Voilà. Très bien. C'est bon. Très bien, très bien. Ils sont ready, on peut y aller. Allez. Allez, j'espère que Lord va gagner. Et face à leur alliance contre nature en face. Attends, Norse, Norska, homme lézard, qu'est-ce que c'est? Homme lézard, c'est ça. Mais what? Le skin des loups, je les reconnais pas du tout. Ils ont pas toujours été comme ça. J'ai peur du flanc droit sur la forêt à côté de moi là. Ouais, mais justement, hein, j'ai toute ma cave qui est là. Hein. C'est vrai qu'il y a toute la cave. Oui, t'as une sacrée masse en ah plus. Ah oui, il y a le barbecue saucisse. Nickel ça. Prends place sur la droite. Hein. Ça, c'est cool. C'est the place to be. Par contre, là, ils doivent clairement être en train de se dire bon, ils sont dans quelle forêt? Bon, alors, il y a. C'est quoi, c'est Wolfric? Ouais, Wolfric sur Mammouth. Ouf, ouais, j'ai le focus. Je vois des Fimir à armes lourdes, ça c'est pour moi ça. Il a pris ça pour me contrer. Donc moi avec ma cave, il va falloir que je charge son infanterie en fait. Pour que son infanterie ne t'atteigne pas. Comme ça toi tu peux te focus sur les grosses bêtes. Wolfric en priorité. Oui. Je vais mettre tout Avalorn sur lui je pense. Mais alors par contre, Fred il est où? Tu sais pas avancer un peu ton dragon par-dessus la butte pour juste pour scouter de l'autre Bien côté sûr. Parce que lui, comme il t'a déjà vu, c'est pas grave. Ah, je vois des salamandres.
Il y a deux unités. Alors ça par contre, si je les prends au cac, c'est terminé avec mes chevaliers du Graal ou quoi. Ok. J'avance sur dragon. À distance, ils peuvent m'embêter, mais une fois que je les aurai au cac, c'est terminé. On va s'avancer, hein. on va être soyons fair play. Et à mon avis, ton dragon va pas tarder à repérer les autres troupes. Tout à fait. Voilà. Ah ouais, ok, ils font bleu. Ouh là là ! Il y a du monde, hein. Oh, passion monstre ! Croxigor, oui. Croxigor, Croxigor. 4 Croxigor. Ok. Oh, le sourire. Oh oui, un Carnot. Ah oui, la vache, mais il a que des monstres. En fait, c'est bien que j'ai plein d'Avelornin pour les tuer. T'as vu ce qui arrive ? Oui. Ça c'est beau ça. Bonsoir. Nice. Ça c'est cool. Avelorn, préparez-vous. Allez, je commence le matraquage. Très bien. Alors attends. Vas-y, place-toi tranquillou. Allez. Moi pendant ce temps-là, je vais jouer de la flûte. Très bien. Non. Attention à ta cave, ouais. Ok, parfait. J'ai les salamandres. T'es bientôt à portée de tir ? Je pense que oui. Ça roule. Allez. Allez, Jeanne. Ouf. Ok, j'ai une unité de cave qui est morte. Et... Alors, je vais décrocher ça. D'accord, bon bah... Oh. Non. Ah, oh, le lac de ses morts. Oh, Jeanne, elle s'est fait retourner par Krogar. Ok, d'accord. Merde. Malgré les buffs et les soins, Krogar il a dit non. Bon, ok. Ça va aller, on peut encore le faire. Laisse la charge. Allez, il va me faire mal avec ses Fimir si je dégage pas tout de suite. Peut-être back ta cave sur nous, hein, que je te... Ouais, je c'est ce que je fais. Oh oui, mais... Oh, j'ai plus de magie. Oh, faut qu'on avance, hein. Non. Après, ils ont aucune artillerie. Quoi, les chevaliers du Graal face à un saurien, ça fait rien non plus. Oh la vache! Tu as quelques millimètres de pouvoir tirer. Ouais, là il va falloir. Allez, j'ouvre le feu. Parce que là j'ai rien fait, ma cave a fait absolument zéro. NPNP. Et il y a encore beaucoup de monde. Oui. Oh, Jeanne s'est fait pousser dehors! Ah, mais d'accord! Oh, mais elle s'est fait marcher dessus! Mais elle est à chier en multi! C'est terrible. Bon bah du coup ma cave est prise. Attends, t'as porté avec tes... avec... Ouf. Ah non, garde argenté. On a esquivé. C'est bon, Avelorn, ouvre le feu. Bon attends, je vais gratter. Ah mais ils sont dans la forêt, quel enfer. Si tu sais leur envoyer une manticore, c'est le moment. Oui. Alors je décale. J'arrive, je vais essayer de les engluer. Ok. Il est en train de charger. Alors les loups, on va voir si j'arrive à les choper. Ça normalement ça devrait pouvoir se faire. Focus bien son saurien. Yep. Je vais vraiment l'engluer. Ok. Focus massif des sœurs. Allez, ça passe. Il m'a englué les sœurs avec des chiens, mais je vais les reculer. Ils sont où?
Bah, c'est bon, je vais le tuer dans la backline. Ouais, vas-y, là tu le tiens, le saurien. Oh, je suis en train de le détruire, tu le vois? Ouais, mais c'est clair, les sœurs, c'est de la folie hein, pour ça. C'est clair. Après, tu peux te tourner sur Wulfric, il est sur la droite. Yep. Je l'englue dans des lanciers. Ok, je vais peut-être le tuer bientôt. Ouais, je vais avoir le lézard, clairement. Ça marche. Ça déjà, c'est vraiment une bonne chose. Ouais, il va tomber là. Et en plus, il y a le Carnot qui est très mal aussi. Parfait. J'envoie okay, un deuxième aigle. Hein. Essaye de choper Wulfric. Ouais, focus en cours sur Wulfric. Ok, je vais essayer de choper les salamandres. Au moins les empêcher de nous faire chier. Attends, je suis obligé de focus Krogar avec mes sœurs parce qu'il va les tuer sinon. Ouais, ok, d'accord, vas-y. J'envoie un feu nourri sur lui, hein. Mon héros et les sœurs. Attends, je suis en train de le massacrer. Oui. C'est trop fort, oui. Les sœurs. Attends, j'arrive avec les bretons. Il est mort. Nice. Me one. Oh là là, on va aller retourner. On va retourner cette game. Allez. Il a fait une grosse spell là. Je vais tuer le Lord, avec les sœurs. Allez, je veux les salamandres. Allez, finissez-le. Mort. Héros mort. Nice. Faut que dès que tu peux. Attends, qu'est-ce qui est dangereux là maintenant? Wulfric. Ok, focus lancé sur Wulfric. Je m'assure que le Carnot revienne pas. Regarde, hein, t'as toutes les sœurs d'Avalon sur lui. Il est en forêt, il est un peu planqué, mais ça va. J'ai attrapé les deux salamandres. Ça touche. Entre une unité de lancier et une unité de cavalier, ça c'est bon. J'ai mis une life. C'est bon ça, c'est la win. Oh, je pense que le focus fire des sœurs a retourné hein, sur les héros. Vraiment. Oh, oui, clairement. On va voir, mais. C'est le gros focus DPS propre. Oui. C'était nice. Allez, Maf, allez! Ah, il a de la chance qu'il est dans sa petite forêt là. Il va en sortir d'ailleurs. Ouais, je lâche pas le focus sur lui. Ah! Ça y est, c'est GG! Jette l'éponge. C'est GG. Nice! Bien vu! Oh là là, au début, je me suis dit, on est cuit. Rip. Ouais, c'était chaud au début. Bah, je croyais que Jeanne même si Krogar est anti-large, mais Jeanne comme elle tape fort avec les buffs et tout, j'ai cru qu'elle allait pouvoir lui faire mal. Mais non. Et ouais, je comprends. Pas du tout. Et premier rage kit de Fred. Nice. Allô? Oui, non, c'est moi juste. Ah oui, d'accord. Oh là là, mais les sœurs d'Avalanche, qu'est-ce que c'est cher, monstrueux. Mais qu'est-ce que c'est beau. Faut que je vois leurs dégâts, je sais plus où on peut voir leurs dégâts. T'appuies sur I. Ah oui. Bah oui, c'est des monstres. Ma front a bien tenu, j'ai encore tout. Regarde Wulfric, regarde ses points de vie, regarde maintenant qu'il sort de la forêt, hop. Ah, il va fendre avec les sœurs. Oh là là. Oh, il essaye désespérément de les atteindre. Ouais. Ouais, il y a des Croxigor qui sont embêtants là. Vu. On voit la fronde dessus. Ouais, oui, Wulfric qui nous fait un baroud d'honneur. Les trèbes ont fait le café aussi. Ah ouais, ils ont fait quoi comme kill? 120. Ah ouais, il y en a un qui a fait 214. Fait kill. Ouais. Mais ils ont mis vraiment le temps à engager notre armée en fait, ce qui a été problématique pour ma cavalerie, mais par contre qui a permis à nos tireurs de se placer et faire leurs dégâts quoi. Tout à fait. Et ben voilà. Parfait. Ah non, attends. Mais si, c'est lui.
Eh oui. Wolfric. J. Je crois qu'un dégât total sur les sœurs, je suis à 40 000 ans ou 50 000 ans. Oh, il y en a qui ont plus de munitions. Ça, en général, dans une bataille multi, c'est la bonne nouvelle, quoi. C'est clair. Un sou qui veut pas lâcher. Non, toujours à lui. Il se dit, on sait jamais. Psychologiquement, ils peuvent lâcher l'affaire. Ah, voilà. Et c'est GG. GG. Belle première bataille. Ouais. Ah ouais, 120-224. GG. Tu peux switcher sans Sou et Fred et Ventis, s'il te plaît, si tu as la main. C'est le GG. Mais écoute, les dégâts des sœurs. GG. C'est bizarre, on prend une armée full large et en face c'est full anti large. Il y a pas eu de cul là. C'est le hasard, hein, sûrement. non, ils avaient pas l'info. Non, on l'avait lancé avant. Ils avaient vraiment écrit avant. C'est pas de chance. C'est vraiment pas de chance, dis donc. En fait, l'armée j'ai écrit avant. Moi-même, je savais pas ce qu'ils avaient. Moi, je pouvais pas voir leur compo, en fait. Donc moi-même, je pouvais pas voir votre compo, Fred. Donc là, pour le non, coup, non, c'est pas le coup elle était enregistrée, mon armée. Je l'avais sauvée il y a un mois ou deux déjà. Mais ouais, Sœur d'Avalon, 50k dégâts totaux. Faire mal. Hein. Ah ouais, mais et vous aviez rien pour aller les chercher? Bah si, j'avais les loups, mais ils se sont fait intercepter avant. Il m'a fait charger un truc dedans à un moment donné, mais. Et c'était comment l'engagement des Bretoniens contre les Salamanders au début là? J'ai eu très peur. Ah ouais. J'ai pris très cher. Ah ouais, t'as pris cher? Tu leur as pas fait de dégâts? J'ai perdu plusieurs unités de cave très très tôt dans l'engagement, ce qui est décidément une de mes spécialités, mais du coup j'ai eu très peur. Et Jeanne s'est fait éclater par Krogar. Ah ouais, putain. À un moment, vous étiez bien, Fred. Genre, vous aviez toutes vos troupes qui foutaient le bordel dans leur front, mais ouais, trop de. Les Sœurs d'Avelland free, en fait. Je pense que ça a été ça la défaite. Hein. Ah ouais, un stack solo qui a fait 20 000 non, dégâts. Non, mais la défaite, elle était instant dès le début en fait. Hein. C'était full large contre full anti-large. Full large qui avance contre full anti-large qui bouge pas. C'est zéro chance. Avant que la game commence, c'était perdu. Chargé, hein. Et le Saurien, le Saurien, c'est trop dur à faire marcher. Hein. Bravo, hein, parce que beau jeu, hein. Mais le Saurien, je trouve ça trop dur à faire marcher. Il se fait focus trop facilement. En multi, ouais, c'est clair. C'est une grosse cible, c'est dur à louper. Et du coup, tous les projectiles vont dessus direct. Il est cher, je crois. Mais Sansou, cette armée, tu la connais? Je te l'avais sortie, tu te rappelles, quand je m'entraînais en Welf, hein, avec les Sœurs d'Avelorn, le même stack, c'était le même enregistrement. 3000, il est super cher. 3000, ah ouais, putain, la vache. Le jour où je galérais en Bretonnique, tu m'avais entraîné, tout ça, et que j'avais fait un peu de Welf. Mais qu'est-ce qu'on fait comme type, du coup? Bah là, on peut faire... On peut faire du 3v3, là. 3v3, ça a pas trop ramé? Bah si on baisse la taille des armées. Ah oui, on baisse les... Ouais, on fait ça? Ouais, c'était cool, là, faut passer, ça passait bien. On avait joué en... C'était en quoi, en fond moyen? Je vais recréer la game. Ouais, on va faire ça. C'est marrant. Alors, berger la game. Elle s'appelle Blood Bowl 3. Hop, c'est créé, vous pouvez rejoindre. Ça change pour de la Bretonnie. Ben ouais, Trauma qui joue Luminette, ça y est. Conversion. Ah, j'aime bien. Mais pourquoi Blood Bowl je crois que j'ai loupé la blague. Non, parce on fait ça juste après en fait. Là, on fait deux parties. Et après, on va jouer Blood Bowl. D'accord. Il faut que tu ouvres des slots, Alpha. Ah oui, bravo. Oui, c'est vrai que c'est complet. C'est vrai que Blood, vous avez éjecté de la partie. Yes. Hein? Allez, à plus, hein. C'est vraiment éjecté? Ouais, je suis chiant là, les viewers là qui veulent rejoindre. Allez, bisous. Et Venti, ça se dégage. Pour un viewer, tu fais chier là. Ok. Bon. On baisse à combien? On baisse à. Fond moyen, je crois que c'est 8006. Ouais, fond moyen? Ouais, c'est 8006, ouais. Ok. Let's go pour fond moyen avec une grosse map. C'est pas la première fois qu'on en fait un, hein, 2v3. La dernière fois, on avait fait un 4v4. Ah non, c'était 3v3. Ah bah, on avait fait que dites ça. Dites-moi que vous pensez à ce que je pense. Ok. Avec Marmotte. Qui a fait ça? C'est le. Non, c'était 26, je suis sûr. Non, c'est Mana. C'est Mana est passé. Ah, il est passé, il a fait son 60 d'orbe. Attends, vraiment quoi. On part sur du Odessa et 26 Alpha ou on change? Qu'est-ce que vous voulez? Comme vous voulez, peu importe. Moi je suis chaud là. Chaud pour ça. Écoute, let's go. Je cherche une bonne map qui irait bien. Merci à tous pour les subs et les bits. Marais de la folie. En multi, je suis vraiment désolé, je reste focalisé dessus. Mais merci beaucoup, je remercierai tout le monde tout à la fin.
Ouais. Oui, pour un peu ce spread. Pour un peu ce spread. Mais merci à tous. Alright. Et ben on se switch et puis on fait de compos. Allez. Ok. Allez, bye. Bon chance. On joue le jeu. Hein, on n'est pas en mode. On joue ce qu'on aime. On fait pas des trucs sales. On prend pas. Tu triches pas ce coup-ci, Romain. T'arrêtes de spec le stream d'Alpha pour une fois. Mais voyez pas ta compo. C'est pas vrai en plus. Non mais bon, après, c'est pas grave. T'es. Mais t'es horrible. Arrête. Moi aussi, j'ai eu 4 ans. Mais arrête. Tu fais chier pour rien en plus, j'avais enregistré. C'est donc ça le légendaire sel. Non mais c'est bon, Romain. Arrête de tricher. Allez, salut. C'est bon. What the fuck? User was moved. Ah oui. Alors là, très très beau. Alors, mais en fait, bon, il faudrait lui expliquer après, mais que dans le jeu, quand on a des unités anti-large, en fait, la grosse majorité du temps, elles ont une meilleure défense de mêlée, et quand leur but c'est de tenir la ligne, voilà. Donc quand le but c'est de tenir la ligne, il vaut mieux partir là-dessus, même si c'est pas nécessairement du large en face. Et là, vu qu'on avait la compo DPS dans les sœurs et dans les trébuchets, la cave pour tenir un peu les flancs, bah, il nous fallait une ligne qui tienne et qui fasse pas nécessairement du DPS, donc des piquiers. Voilà. La base. Mais c'est vrai qu'un petit streamax, c'est aussi très bien. Alors. Ça marche aussi. Alors, vous voulez jouer quoi? Oh, ils font une compo lore friendly full méchant. Ok, bon ben bah alors, go full gentil. Full gentil, je prends Manfred. Je prends Marcus. Je veux. Ah, y a Fred, il a pris Skaven, parce que sinon j'aurais adoré lui mettre un filet avec des chasseurs ouais, derrière. En vrai, roi des tombes. Non, je vais prendre un truc que je ne joue jamais pour vraiment avoir un truc. Ouais, je vais prendre roi des tombes. Je ne joue jamais les rois des tombes. Ok. Et je vais faire une compo à la Zub. Trauma, tu restes au elf? Oui, je pense, oui. Ça marche. Ah ouais, on va prendre DJ Katep, tiens. On s'arrange comment, du coup? Genre, il y en a un qui fait le dégât de loin, un oui. qui fait la mêlée, un qui fait oui. le flank. Ou... Je vais refaire un vélo en ouais. ouais, ouais. Ok, bah alors moi, je vais des monstres. Je fais la mêlée. Allez, je fais même 0 front, je pense. Hein. Sans sous, tu prends un peu d'arty quand même? Ben. Ouais, je peux. Parce que du coup, tu serais le seul à en avoir, quoi. Moi, je veux pas en prendre. Tu prends pas les arches? On a 26 en main. Non, je vais prendre. Enfin, ou alors, si tu veux, je prends les arches et tu prends autre chose. Mais... Moi, je voulais partir sur moustache. D'accord. Moustache Marcus ou moustache Volkmar? Moustache Volkmar. D'accord, The Moustache. The Moustache. The Papa Moustache. Pour faire de la bonne front bien buffed. Ok, bah alors je fais des monstres. Et tu prends pas d'arty alors? Bah je peux prendre une batterie tonnerre de feu au pire. Bah non, écoute, je vais prendre deux arches et puis des monstres. Ah oh, la vache, c'est très... il est pas gratos hein. À 7 rats, non. En même temps, vu tous les titres... Oui, c'est ça. Le mec, il se déplace pas en dîner mondain comme à ça. L'OP hein. N'est pas gratuite. Hein. À 450 balles, le repas fromage caviar, lui, ça le fait à peine trébousser. Hein. Ok, j'ai du débeuf, du bœuf. Ouais, bon, on va rester là-dessus. Ah ouais, mais... Je vais prendre ça aussi. Oh putain, il part nain. Oh, ça va être infernal. Je briserai la ligne avec du monstre. Du perse armure quoi. Yep. Ouais. Par contre, du coup, arche, je suis pas convaincu parce que portée, c'est quoi 440? Ah non, c'est plus long que les catapultes à crâne. Ah bon? Bon bah alors d'accord. Parce que je vais être un peu court par rapport à son artillerie à lui, quoi. Par rapport au nain, ouais. Ouais, je crois que je vais pas en prendre, du coup. On va plutôt les rusher, non?
Je prends ça pour un oui. Alors. La réflexion. Je suis en train de réfléchir, ouais. Je vais faire ça, ça. Et Alpha, il part KO. Ah. C'est quoi la portée des nains? C'est long. Bah leur canon, attends, s'il part sur du canon, je crois que les canons c'est c'est ceux qui ont la meilleure portée chez les nains. Parce qu'au pire, je me dis, je prends des grands canons en pierre, c'est assez précis, ça peut détruire de l'artillerie à longue distance. Le combat d'artillerie empire nain, ça peut être fort long, et je sais pas si tu vas vraiment le gagner. Surtout s'il prend un ingénieur pour le buffer, hein. À ce moment-là, il gagne en précision sur toi et en rechargement. Ouais, pas faux. Et du coup, il défonce. Summon the Elector Counts. Putain, des lions noirs, c'est cher. Oui, c'est cher les lions noirs, c'est vrai. Mais je sais pas. Oui, non, je pense que c'est bien ma ligne d'archer. J'ai les mêmes Avelandes que tout à l'heure, les Avelandes d'élite aussi. Anticorps. Bon, je vais mettre quelques squelettes quand même, histoire de mettre une fronte un peu. Enfin, mettre un peu de chair à canon, quoi. Ok. Ah oui, j'avoue, je vais prendre des Ushaptis à arc. Ok. On a une belle fronte avec vous deux. Ushaptis en plus, ouais, ça peut le faire. Pas pour me tromper. Ouais, je vais partir sur ça en vrai. Non, je vais jouer un truc un peu plus fun, tiens. Je vais sortir les chevaliers des nécropoles. Ok. Je sais pas s'ils sont vraiment bons et utiles en multi, mais... Il y a peut-être un scorpion pour emmerder du Skaven. Est-ce qu'on a du mobile? Moi j'ai pris deux escorteurs lance-grenades. Ok. 10 contre les Skaven, c'est toujours fun. Bon, ok, je pars là-dessus alors. Ah ouais, les charognards. Ah, c'est 400 les charognards. C'est déploiement de l'avant-garde en plus, les charognards. Ah, mais c'est cher, c'est 425, c'est plus cher que des guerriers squelettes. J'avoue. Non, je vais juste prendre ça alors. Comme ça, moi j'ai un peu de mobile, comme vous en avez pas trop. Moi j'ai deux chats. Je l'ai dit les gars, j'ai surboosté mes sœurs d'Avelorn hein, en XP, okay. Donc elles vont faire encore plus mal. Faudra bien les protéger, mais ça roule. Ouais. On fera ça. Allez, moi je suis prêt. Allez. La compo du slip. C'est parti. Oui, j'aurais pu prendre des chars aussi, mais... Des chars, je me dis s'il y a de la cave du côté de Alpha ou quoi... à tous les coups, je vais me faire attraper et je vais me faire dégommer. Oui. Moi j'ai... Ouais, quoique non. J'allais dire j'ai peur de Levy, artillerie, Skaven plus nain et on n'arrive même pas au corps à corps. Mais... Ah putain, j'avoue. Et avec Alpha en plus qui peut tanker toute sa vie aussi avec le nain. Ah là, ce qui me fait peur, c'est le nain qui part sur deux artilleries parce qu'on est limité à deux et le Skaven qui part full équipe d'armes en mode mortier. On se fout, hein. J'espère pas. Et tout. On va voir. Ça peut vite tourner au vinaigre. Oui, à fond. Bah, s'ils partent sur une armée qui est très très peu mobile et qui est une grosse enclume au milieu de la map avec, avec du tir derrière, on est dans la merde. Oui. Ouais. On va se cacher dans les forêts. C'est quoi cette map pourrie là? Je la connais même pas. C'est une map de quête de Grom de sa campagne. Ah, c'est pour ça que je connais pas. Ok. Bon, elle est belle, je trouve. Ouais. Je sais pas, ça me rappelle mon jardin avant que je te mette de l'engrais. Summon the Elector Count. Ah ouais. Ah, c'est plat. Oui. Ah bah c'est le plat pays, hein, ça, monsieur. Ok, bah je me mets derrière vous du coup, j'ai que de l'archerie, bon, hop. Bon alors moi j'ai les squelettes devant, mais s'ils ont une grosse ligne en armure, ils vont rien faire. Ouais.
Il y a même pas... Ah si, il y a un petit peu de quoi se planquer quand même. Alors par contre, faut pas qu'on pack trop nos troupes. Oui. Il va peut-être même y avoir du... Oui. Il y a moyen de planquer dans les forêts quand même. Hein. Ouais. Moi j'ai pas grand chose à déployer, hein. Je suis prêt les gars, en vrai. Ouais bah pareil pour moi. Ah ouais, je vais te rejoindre dans le morceau de... Ah mais non, ça se planque pas ça, c'est trop gros. Les nécro-sphinx. Ouais c'est ça quoi. Ils ne sont pas vus. D'un pas léger, d'un pas de chat. Ouais c'est ça. Vous êtes prêts? Ouais. Oui. Ah. J'espère qu'ils ont pas trop de ranged au secours. Ouais, bah je vais essayer d'arriver vite sur eux, hein, s'il faut. Mais je crois que si, hein. Faut s'y attendre. Faudra que tu fasses gaffe à ton dragon, du coup, Trauma, parce que si... Oui. S'ils ont des canons ou quoi, ils peuvent te faire mal. Totalement. À toi ou à moustache. Parce qu'il est beau sur son char. Oui, bien sûr. Moustache au vent. Oh. Cetra et le sphinx de guerre de Khemri, ça va faire mal, ça. Hein. Je sais que Cetra, il est atroce. Hein. Oh. À chaque fois, c'est plus fort que moi. À chaque fois que je zoome sur Volkmar, j'ai l'impression que je peux entendre, en tendant l'oreille, un petit cri qui vient de l'intérieur de son char. C'est parti. C'est horrible. Ouais, alors, c'est fou l'artillerie. Jezai, canon à mal foutre. Attendez, ils ont pas la portée pour l'instant, on a le temps de réfléchir. On va pouvoir y aller à la pression psychologique. Ah oui, t'as raison, oui, ils sont pas la portée. Il y a du drac de fer. Il y a un canon à flamme. Canon à flamme, il a une courte portée, donc lui, clairement, on peut essayer de le flanquer et de le choper avant qu'il soit problématique. Les plus grosses ranges, c'est ouais. Canon mal foudre. Hein. Alors, il y a un gros pack de tirs ici. C'est les prioritaires pour aller les chercher, je pense. Ouais, clairement. Mais alors, du coup, vous avez vu, il y a ça, là. Élu arme lourde, maraudeur du chaos et guerrier du chaos. Donc, ceux-là, comme ils sont lents, on peut passer à côté. On y va? Allez. J'ai peur pour mes sœurs, je pense qu'ils vont les focus de ce qu'elle leur a mis tout à l'heure. Ok, bah on va les face les nains. Bah sans sous, à la limite, les élus du chaos, alors je sais pas trop, mais élus du chaos, je crois que tes escorteurs à lance-grenade, s'ils les focus un peu, ils peuvent leur faire très mal. Je pense. Ouais, parce que c'est quand même du perse armure. Si on va prendre un feu d'enfer. Ah non, ils sont pas perse armure. Non, c'est pas perse armure. Hein. Ah shit. Aïe. C'est en campagne ça. Il focus Volkmar. Bon, ça va, il lui a rien fait pour le moment. Oh là. Là par contre. Quoi? La petite cavalerie. Ah oui. Pour des tanks avec les Necrosphinx dès que tu peux aussi, je pense. C'est redoutable. Ouais. Je fais le tour. Ah, ils vont me cibler avec les Jezai. Ok, il a pas la portée là, je vais... Oh, je le taunt, je suis juste à un fifre. Attention à ton dragon. Hein. Ouais, j'ai vu, je l'ai bougé. Oh, quel plaisir. Et là, c'est quoi? Rattling, ok. Focus mon dragon, effectivement, ouais, t'avais bien vu. Ok, j'essaye de forcer le passage avec les sphinx. Hein. Yeah. Oh, ouais. Attention au mortier. Mortier d'élite. Père de mort. Ouais. Les sphères, c'est mort. Par contre, faut engager le combat là. J'invoque un aigle dans la backline de Fred. Ouais, si tu sais. Si tu sais foncer sur ces. Sur ces mortiers. Ou sur ces rattlings. Aïe. Ouais, focus mon héros, salaud. Oh là là, je crois que je suis en train d'arriver trop tôt tout seul. Mince.
Je rush CGZ. Ouais, vas-y, je tiens. Merde, il m'a encerclé. Non, sors. Non, c'est bon. Pour l'instant, j'ai pas besoin. Il focus mon héros, il me rend dingue. Il est ok, j'arrive sur lui. Franchement, Trauma, tu peux arriver tranquillou avec tes. Mes sœurs. Ok. Ok, en tout cas, pour l'instant, côté Skaven, c'est un peu la panique. Du coup, il bouge toutes ses unités qui ne tirent pas. Et... Allez. Ok, les Avelors ouvrent le feu. Nice. Je vous laisse vous débrouiller au niveau de la fronte. Hein. Moi, j'ai pas de quoi faire. Yes. Non, le nez m'envoie des gros boulets dans les sœurs, là. T'as un sou, si tu peux choper le nain qui me tire dessus. Oh, il y a tellement de tirs. J'essaie de full focus hein. Le nain là, mais... C'est ok. Il savait qu'on avait une armée en face, du coup il prend beaucoup de tirs, hein. J'ai dodge la tête de feu, ça c'est cool. Oh, mes escorteurs se sont fait éclater. Merde. J'ai quasiment plus de front, moi. Okay. Oh, c'est tra, se fait ouvrir le cul. C'est terrible. Je crois qu'il va survivre, mais tout juste. Je me suis fait engluer. Ok, je suis en train de le counter. Allez les sœurs. Oh, mais c'est un petit prophète gris, ça. Prophète gris, allez, bonsoir. Je dodge l'attaque d'Alpha. Il m'envoie Arcachon dans les sœurs, merde. Non. Bah, je me suis fait retourner par le nain. Fuck. C'est infernal, ça. Ouais, comme d'hab, hein, les nains. Ouais, c'est. Bah là, c'est full camp et on n'avait pas pris assez de mobiles, je pense. Hein. Ouais. Là, et canons à malfoudre au milieu qui sont en mode YOLO. Il focus mes sœurs, hein, j'en étais sûr. Ouais, obligé. C'est bon, j'ai dodge la tête encore. J'essaye de nettoyer les Gatling. Pas évident. Ouais, Arcachon il me fait chier. Ouais, c'est pas ça, ça va être compliqué. Il m'empêche de jouer Alpha. J'ai les canons à malfoudre au cac aussi. Et... Allez, le prophète gris. Allez, faut tenir. Ah putain. Oh. Ah, sors de là. Bon, j'ai fait Fureur Cachon, mais... Ils m'ont trop gêné mes sœurs, quoi. Ah, ils le veulent, ces rats. J'ai même pas pu sortir, mais mon invoque du chapti, c'est incroyable, ça. Merde. Ouais, c'est fini pour moi. Ils m'ont trop fait chier les sœurs.
Vous avez encore de quoi faire ou vraiment pas? Oui, mais il empêche mes sœurs de jouer avec Arcachon, Alpha. Moi, c'est tendu là. Et vraiment plus grand chose. Ok. Il me reste une unité de joueur d'épée, mais deux héros quoi. J'ai presque tué Arcachon d'Alpha. Ouais, c'est fini, Alpha qui me rentre dedans. Fuck. Je vais crever là. Ah, quel dommage qu'elles étaient sans protection de ce côté là. Il y a un aigle qui... c'est ouais, une invoque ça non? Ouais, je l'ai envoyé juste avant de mourir. Aïe! Non, c'est trap. Oh putain, le Tan. Ah, mais il leur reste encore pas mal de persos en plus. Il reste beaucoup. Ouais, c'est fini. I think. Ah, il reste des Glomadiers. Je m'en charge. Shut up, demon. Oh, c'est lent quand même les chevaliers des nécropoles. C'est fort mais c'est lent. Hein. Oui. Ouais. Ah, il a 500 de vie Arcachon. Enfin... Ok, j'ai plus rien, les gars. La vache. Ah! Des dragues de fer! Oh, il reste des dragues de fer au secours. Ouais. Ah, c'est trahi tombé. Je m'en doutais. Oh, j'ai des guerriers squelettes qui sont toujours là. C'est les champions éternels, eux. Vas-y, je te suis, Volkmar. Eventis, il a un seigneur, un simple seigneur. Je vais essayer de le gratter. Ah, Ushapti. Yes. Attends. Oh, si on arrive à retourner cette game, c'est incroyable. Ça va être chaud. Mais quoique, non. Pourquoi je les ai pas encore? Oh non, ça non. Et tiens le coup, Volkmar. Oui, tiens le coup, on va l'avoir, ce nain. Moustache. Oh, vas-y, vas-y. C'est encore jouable, c'est encore jouable. Lâchez rien, lâchez rien. Moi j'ai plus rien, les gars. Je tue le seigneur Skaven. Ça c'est quoi ça? Ah, oh, il y a encore des élus armes lourdes. Secours. Eh mais ça suffit là, hein. Il me faut mes Ushapti moi. Hein. Attention au drague de fer. Putain, et attention au Rattling aussi. Aïe 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 aïe, les Rattling me font très très mal. Il y en a encore deux des dracs. Ouais. Oh, putain. Ok, côté Skaven, ça plie. Nice. Alpha, encore du lourd. Hein. Je vais revenir vers toi, je vais booster ton attaque en mêlée. J'essaye de tuer le seigneur Skaven histoire qu'il revienne plus du tout. Mon sphinx il prend tarif quand même. Je vais essayer de tuer le seigneur nain là. C'est jamais. Avec toi j'ai buff dégâts mêlés. Hein. Parfait. Ah putain, par contre les dragues de ouais, fer. Je lui mets des grands coups mais ouais, les dragues dès qu'ils peuvent tirer c'est la cata. Hein. Il va mourir. Allez. Ok, Skaven ça part définitivement. Nice. Ah non, ah, les le prophète gris. Ouais, les dracs c'est un enfer.
Les dracs, c'est un enfer. Ouais, c'est compliqué, hein. En fait, on aurait dû se replier et attendre que mes chevaliers reviennent. Oui. Oh oui, bien vu. Ah, ça les calme quand même un peu. Mais t'as vu ça comme il tank. Il est de insane. Mais pourquoi j'ai pas mes Ushapti, bordel? Ah, ça y est. Oh, je les ai. Nice. Ça va retourner la game. Alors, attends. Oh là là, oh, attends, hein. Ils vont tellement rager quand ils vont les voir arriver. Il faut que ça tienne. Mais quel enfer de drac à la con. Tirer chaud au cac. Ouais, ils peuvent toujours s'ils ont enlevé le mode guerre. Il est trop chiant. Ah, le truc de fou. Attends, j'arrive. En vrai, il reste Arcaon en seigneur. Mais quel enfer, c'est pas possible, c'est drac. J'ai mis un PV à Arcachon. Il a régène, ce bâtard. Je sais pas qui pourrait. Merde, il est passé. Putain, mauvais timing, quel con. Mais sérieux, quoi. Ça arrive aussi tard. Oh là là. Oh, focus Arcaon. Ouais, focus Arcaon. J'y vais avec le Sphinx. Large. Non, ça c'est pas possible. Ouais, il se barre. Vous êtes en train de revenir, les gars. Allez. Les Ushapti font mal. Hein. Il te reste quelque chose quelque part? Moi non, j'ai plus rien. Moi il me reste des lanciers qui sont au fin fond du monde et tous mes spells avec Bokmar. J'aurais pu faire masse dégâts avec les sœurs, mais Alpha m'a focus. Je boost l'attaque de mêlée. Il a un boost de mêlée. Je l'ai aussi, je l'ai balancé. Dans 20 secondes j'ai les grands feux. Oh là, enfin, il est en train de glober en plus. Plein milieu. Trop tôt, je vais me faire focus. Ah, ça va, c'est une tête enflammée, elle est niveau 1, c'est pas grave. Allez. Je vais aplatir Arcaon. Ah non, c'est le prophète gris, il est toujours là. Pas mal. Cette bataille qui... Mais c'est pas vrai qu'il y a des dracs. Avez-vous entendu parler des dragues de fer? C'est ça quoi. Quel enfer. Oh, il y a encore des guerriers du chaos. Alpha, il a encore des trucs salement solides. Hein. Ouais. Allez. Un seigneur mort et Arcaon quasi mort. Hein. Attention. Il y a encore les élus du chaos et tout. Hein. Dans 18 secondes, j'ai le buff de résistance aux dégâts. Alors mais là... c'est pas vrai, ces nains qui reviennent quoi. Allez, sors-toi de là, chaton. Je vais me faire charger. Aïe, il va être en effondrement. Si je suis en effondrement, c'est terminé. Résistance aux dégâts. J'en profite, je tape sur les élus. Volkmar. Attends, putain, ce combat. Attends, quoi. Le moral. Ah, je crois pas. Ces élus et tout vont tenir. Il le a encore moral du monde. D'Arcaon c'est est pas vrai. Mort, hein. Il y a 7 dracs de fer qui se sont reformés de l'autre côté. Non mais au secours. T'y crois? Oh. 11 HP Volkmar, fuis. Attends, je le termine. Allez, tue Arcaon, bordel. Non. Les dégâts, Volkmar, moustache. Je te vengerai. Je vais te venger. Regarde Arcaon. Avant c'était le seigneur de la fin des temps, maintenant c'est une crêpe au sucre. Oh putain, ça marche pas. Non, je m'en fous, je vais le tuer. Non, non. Oh, je l'emporte même pas avec moi, quel enfer. Non. Oh, mais belle bataille. Hein. Oh, quelle tristesse. Bon, j'avais l'impression de jouer un MOBA à la fin, mais bon. Bah oui, mais c'est ça qui est bon. C'est ça les vraies batailles tendues du slip jusqu'au bout. Ah, quelle déception. Dommage. User was moved out of your channel. User left your channel. You were moved. Nice. GG. GG les gars. GG. Putain de Volkmar de ses morts. Bon attends, tu rigoles ou quoi? Et mais il a putain tellement de drac de ses morts. Non mais attends, le Volkmar a wipé genre legit la moitié de mon armée à lui tout seul alors que j'avais tout tué.
Mais ouais, en plus, c'est pas un combattant de mêlée normalement, Volcar, non? Ouais, il tank, hein. Non. Bah, ah, j'ai mis des grands feux d'âme et un bannissement dessus, du coup. Non, mais voilà. c'est pas il tank, il est immortel. C'est à 1 PV, il tank. J'ai un spec qui me fait 22% de résistance aux dégâts, donc. Ça fait le taf. Au point de rester à 1 PV pendant 10 minutes? Bah, il a de la régène aussi, hein. Ah, il a de la régène, c'est pour ça alors. Ah oui. C'est pour ça qu'il tombait pas. Putain, à la fin, vous m'avez fait peur là, Archaon. Je me suis dit, ouais, mais il va mourir là en fait. Bah, c'est ce qu'on voulait, mais il voulait pas. Ah, mais les élus. Tu m'as fait chier, tu m'as couru après pendant toute la game quoi. Mais moi j'avais que du mobile, donc en fait, mon rôle c'était d'aller chercher les tireurs. Et vu que t'avais que ça, bah. Mais par contre, au secours quoi, les ratlings, quand tu les as tournés, à chaque fois il y en avait une pour me tirer dessus. Ouais. Et je voyais mes points de vie qui partaient en vrille, alors que c'est des unités sacrément tanky quand même, les chevaliers des nécropoles. Mais oh là là, tu m'as fait mal. Mais vraiment, les élus, c'est trop marrant parce que j'ai l'impression qu'ils ont couru toute la game, mais à chaque fois que quelqu'un était contre eux, le mec part direct. C'est trop bien. C'est trop cool à utiliser cette unité, j'adore. J'ai bien kiffé. Eh ben GG, en tout cas c'était vraiment sérieux. En effet, au début, à la fin, je me suis dit non mais c'est ridicule là, il faut qu'il quitte. Et puis en fait, attendez, c'est la merde. Ouais, mais c'était chouette. Au moins, ça fait des batailles tendues. Ouais, carrément. Sympa. Ouais, carrément. C'est chouette. Vous voulez faire revanche avec cette même équipe? Si vous voulez. Ouais. Allez, bah ça part alors. Bon, en plus, ça marche bien, 3v3. Ouais, ça marche. Wow. C'est vrai, bah, c'est peut-être parce qu'il n'y a personne sur le jeu. Waouh, les mots sont durs. Allez, non, je pense qu'avec la réduction des coûts, ça va ce format-là. Combien on avait mis déjà? C'est moyen, ça. Moyen, ouais. C'est pas mal, moyen. Ouais, c'est quoi, c'était 8500, ouais. 8500, ouais. C'est bien comme ça. Mm. Vas-y, je vous switch. Allez, bonne chance. Moved. User was moved to your channel. User was moved to your channel. Bon. Allez. Je vais jouer. Alors, je vais prendre un truc que je sais jouer. Et je sais faire des trucs sales avec. Ah, on part sur le côté sale. Bon, ça ouais, me plaît, non ? Allez, histoire de... Summon the electric counts. Jusqu'où est-ce qu'on peut les pousser dans le sel ? Non, la game d'avant, on leur a couru dessus, ça va être à eux de nous courir dessus. Ouf ! Ah oui, d'accord, je vois ce que t'as en tête. Ah oui, d'accord, ok, tout le monde... Ah oui, sans les vents pirates. Ok, ça marche. Ah, chez les vents pirates, on sait recevoir. Ouais, ouais. Tu t'occupes de l'arty, bah moi je vais prendre moult tireur. Ah ouais, mais par contre, avec ce format-là, je sais prendre... Ah ouais, quelques forestiers. Est-ce que je prends la Bertha pour le fun? Oula, c'est toi qui vends, hein. Ah d'accord, vous avez vu sur quoi ils partent? Ah, une wag. Ah yes. Ah mais du coup... Ah, on n'est pas RP. Non, et si on partait sur du full Neng? Alors oui, je sais ce que vous allez dire, aucun de vous n'a l'habitude de jouer nain, et moi non plus. Mais ça peut être rigolo, non? Vas-y, ça me plaît. Trauma, il ne s'abaissera pas à jouer une race qui n'a pas de cavalerie. Mais ouais, on va prendre une gigantesque masse du coup. Ah ben là, ça peut être fun, hein, parce que s'ils nous sortent grosse armée de rush contre nous, on fait le mur de bouclier. Donc il faut tuer de la masse. Il faut une compo anti-masse, les gars. Ouais. Je vais utiliser les dragues de fer. De magie, trauma. Ah, double nain, putain. Mais je vais prendre Empire, hein, et on les massacre à distance. Mais non, mais sinon, on disait on peut prendre triple nain contre triple peau verte. Comme vous voulez. Ça va rager, mais... Ok. Ah
Ah, le triple. Trop bien. Bon, moi, je prends Bellegarde. Attendez, qui fait la, une bonne grosse fronte d'infanterie? Qui fait du tir, qui fait de l'artillerie? J'aime bien les grosses frontes, je la fais. Ça marche. Sans sous. Tu pars sur le tir, toi? Je sais pas, comme tu veux. Règle de fer. Bah, vas-y, je joue artillerie. Hein. Okay. Attends, mais je vais faire des brises de fer. C'est le truc le plus tanky, non? Oui. 125 armor. Oui. Ça coûte c'est ultra très, cher. Très très hein. cher. Mais par, clairement, ouais. si t'en mets un ou deux, ça le fait. Deux. Bien tanké, tu vois. Je voulais prendre des canons à orgue, mais c'est giga cher. Ah oui, il faut qu'on se mette d'accord pour l'arty de 2 max. Ouais. Ouais, c'est je prends cher. Le seigneur le plus tanky aussi, je pense. C'est Thorgrim, je crois, le plus tanky. Bon, sinon, je les prends. Hein. Je prends les deux canons orgue avec... Ah oui, avec ingénieur, l'ingénieur mort-vivant. Vas-y. Hein. Ah oui, oui, j'avoue. Oh, plus 15 de précision constant. Ah ouais, non, mais ouais, obligé. Hein. Ouais, les gars, je pense que je vais prendre Thorgrim pour sa tankiness extrême. Ouais, ouais, plus tanky des lords, je crois, hein, sur le papier. Oui. Excellent buff, en plus. Oui. Ça va faire redondant si je prends un seigneur des runes, non? Bah, ça fait plus de buff. C'est jamais perdu. Vas-y. Tente. Ah, tu peux prendre Félix et Gotrek? Ouais. Trop oh, cool. Ça vous paraît assez tanky comme front, messieurs? Ça me paraît fort bien, ouais. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air bien bien tanky. Peut-être rajouter deux guerriers nains histoire d'eux. Ouais, parce que moi j'ai full tir, hein. J'ai ouais, zéro, ouais. Zéro tanking. Ouais. Limite, toi tu fais la front solide, trauma, et moi je fais la front qui DPS, avec ouais. du tueur, ouais. un peu de... C'est ça. Ouais, ça roule. Des gyros, ah j'avoue que si quelqu'un prend des gyros... on a à peu près champ libre parce qu'ils ont pas grand chose pour nous embêter. Ah, ils vont pas avoir beaucoup d'entières. Ouais. Moi, je connais ouais. rien du tout aux nains. Ouais, moi j'ai mes tanks, ça me paraît pas mal. Et des ouais, mineurs pour le... voilà. C'est bon. Restez un peu dessous, j'ai pris des mineurs. Oh là là, on a une ah super oui. compo. Attends, ils vont nous sortir des idoles à mon avis ou des trucs comme ça? Je sais pas. Moi je suis ready. J'ai hâte de voir la compo de Fred vu ce qu'il nous a fait jusqu'ici. Il va prendre 3 ouais. idoles. J'ai des grosses auras avec mon héros en plus, ça c'est cool. Et... Bah franchement, s'ils nous sortent des idoles, c'est pas encore le pire, parce que canon orgue plus arquebusier, ça peut le tomber quand même relativement vite. Ouais. Moi, ce qui me ferait plus peur, c'est s'ils nous sortent un masse cavalerie. Bah j'espère pas. Là, ça va être compliqué. Mais de toute façon, c'est... on va laisser venir à nous et puis on verra bien. Pas trop le choix. Hein. Personne n'a pris de drac, hein, on est d'accord? Non. Non, pas moi. Ok. Messieurs, je suis prêt. C'est chiant ce truc qui reset. Ouais. Oh, Alpha, il va nous sortir une vague de gobelins. Une belle vague. Ouais. Cette bataille leur frenemy, quoi. Ah, c'est clair. J'avoue.
Mais il va nous sortir masse gobelins de la nuit, donc ils vont être full furtifs, donc on pourra pas leur tirer dessus à distance. Ça va être l'enfer. Ou full zigouillard. Ils peuvent bien contourner. Ouais. Il va falloir qu'on fasse un beau bloc. Ouais, c'est clair, avec des belles troupes de réserve en arrière. Moi j'ai 3 tueurs et 3 longues barbes hein, donc. Ok. Tu m'as donné un horrible connard. Alors... Ah, ça va encore, on est 2100 contre 2500, donc question nombre, on est plutôt équivalent. Okay. Donc ils doivent avoir du lourd. Il y a de l'idole, hein, à mon avis. Ouais, c'est possible. Je pense. Il y a l'idole des jeunes en face. Connaissant Tite, y a Michou. Par contre, juste pour votre placement. Si vous pouvez me faire un petit couloir de tir avec les canons org, ça, ce serait parfait. Écoute, laisse-moi passer bien devant, Sansou. Je te mets les punks à chien derrière. Vas-y, les punks à chien. Je fais une front shield là, qui est bien placée. Mais en fait, j'ai rien à micro, moi. Mon aura. Les buffs. Voilà. Voilà, les buffs. T'as les buffs de mon héros nain, et voilà, hein. Thorgrim. Moi, j'ai pris des runes aussi, plus 60 d'armure et plus 44% de résistance aux dégâts. Oh là là là. Des nains avec plus 60 d'armure, quelle horreur. Tueur. Ah ouais, c'est des normaux. Ok. Quand il y a de l'idole, on va éviter les packs trop compacts. Ouais. Et Thromas, tu sais juste ouvrir un petit peu ta ligne, que je puisse avoir un coin. Fais-moi un. Est-ce que tu veux là? Est-ce que tu veux là? Peu importe. Là où tu le mets, je me place. Comme ça, j'ai un couloir de tir sans risquer de faire du friendly fire. Voilà. Faut que ça se recule maintenant. Et... Parfait. Avec le maître. Le maître ingénieur qui buff comme un cinglé les canoës. Oh là là là. Lui il est sale. Porno. On est ready? Non, attends, pas du tout. Vas-y. Oh, ma front, c'est que du bouclier et de l'armure lourde. Hein. Je suis en kiff. Je vais mettre Bélégar avec tes troupes, Thromas. C'est du buff, c'est du bon buff de défense aussi. Oh là là, plus les buffs de Thorgrim, plus l'aura de Thorgrim. Par contre, Sansou, va vraiment falloir que t'assures sur les arrières. Ouais. Ah oui, avec les tueurs, oui. Ah, s'il y a un idole devant et qui fait face au canon org, je surbuff les canon org avec le truc et il va mourir. Ça va être... C'est garanti. Ouais, ils ont une araignée, une idole. Il y a araignée, le costaud. Du lance-gobelin, un idole. Oh là là, c'est Twag. Alors, il y a quand même du... Il y a quand même du costaud et tout. Ouais. Je leur envoie quelques salves d'accueil. Aïe. Attends, ils en ont qu'un de... Attention, ça arrive sur les flancs. Hein. Ouais, j'envoie les tueurs. On me prépare à encaisser. Oh là là, cette bataille, Lord of the Ring. Ah, c'est clair. Tellement. Aïe. Non, ça va, on encaisse. Bah oui, on est des nains. Allez, mais brise de fer. Non, quel coup. Hold the line, les brises de fer. Ah, il me détruit les canons orgues. Scoo. Merde. Ah, le pied de Gork. Mais c'est bon. Il a pas encore trop fait grand chose. Il passe par le trou, j'intercepte avec des. Vas-y, c'est beau ça. Chargé. La killbox. Voilà, les flancs, ça a l'air. Ça va être compliqué. Oh, et courage, putain, il y a beaucoup. Et... Oui. Ah putain, j'avais pas vu qu'il y en avait dans le dos. Ouais, il y a de l'avant-garde dans le dos. Merde. He's ok. Ok. Ah oui, merde, gobelin de la nuit sur Squig, saloperie. Oui. Casse l'artillerie, hein. Putain, je les ai même pas vus arriver, ils sont sur mes arquebusiers. Ils ont activé la WAG.
Bon, moi, ils sont quand même en train de bourrer mes canons, regarde. Hein. Okay. Oh là là là, les flancs, c'est compliqué. Hein. Surtout le flanc droit, en fait. C'est chaud, hein. Oh là là, Alpha qui se déchaîne avec ses sorts. Les pierres se font tuer sans sou. Ouais. On peut pas faire grand chose malheureusement. Ma front tient. Bien joué ça sur le flanc droit, t'as bien repoussé. Okay, des gobelins nanus qui passent sur le côté. J'envoie des mineurs dans leur backline pour les faire chier. Steven pour l'instant. Attention à gauche, attention à gauche. Ouais, je charge. Kazook. J'arrive avec Belégar. J'envoie des mineurs dans sa backline pour l'emmerder. Shut up, demon. C'est toujours bien even. Hein. Mon héros il perd pas vite en tronc. Ouais, tous les tireurs là à gauche, faudrait essayer de les choper. Ouais. La rack, je vais essayer de me la faire. Bon, les brises de fer sans surprise, ils tiennent comme jamais. J'ai masse front encore. J'envoie à gauche pour vous aider. Allez, bah les gars. Merde, Grimgor. Oh, Grimgor qui vient défoncer les... Les canons org. Nice. Comment ça nice? Non pardon, j'étais concentré sur un truc. C'était en fait, je voulais charger les gobelins de la nuit. C'est Grimgor en train d'éclater mes canons org. Parfait. Non, en fait je suis en train de charger ces catapultes, j'étais dans mon propre truc, pardon. Ah ouais, putain, t'as réussi à aller jusque là. Regarde, ouais. C'est nice parce que j'étais passé en fait. Ça va encore être une bataille qui va se terminer au bout du bout. Hein. Oui, je pense aussi. Hein. Son araignée, elle m'a fait très mal. Allez, j'ai masse front encore. Summon the Elector Count. Ok, je vais mettre Belégar sur Grimgor. Je sais pas si je vais pouvoir lui faire beaucoup de dégâts, par contre je vais pouvoir te buffer. Ok. Grim qui est en train de tanker la terre entière encore. Oh, par contre, avec ce qu'il me reste de servant de canon, j'ai quand même assez pour faire fonctionner 4 et 3 canons org. Donc en fait, ils m'ont à peine enlevé du DPS. Nice. Malgré tout ce que j'ai pris. Ça, c'est trop bonne chose. Hein. Il focus Thorgrim mais il fait une grosse erreur. Je peux tanker toute la game avec Thorgrim. Méfie-toi, hein, Grimgor, il est. Il est très fort pour ouvrir. Oui, c'est vrai. Mais attends, je vais te buffer aussi. Oh, nice. Ah, oh, oui, les brise-fer. Oh, mais j'ai toute ma front encore presque, hein. Elle est tellement si tanky. Mais vous êtes sérieux? Ah, les armes naines, c'est tellement tanky. Il en reste encore pas mal de trucs, ça va vraiment être encore très très chaud. T'en sous, t'as les troupes qui bougent pas. Où ça? Mais c'est bon, au moment où je l'ai dit, t'as bougé. Ok. Par contre, j'ai pas trop avec moi. Aïe. Ça va, on tank. J'ai focus Grimgor maintenant.
Ouais. Ah. Ça sent bon. Je sais pas, y a encore l'idole quand même après. Hein. Grimgore s'est fait éclater, c'est bon. Vu. Encore une fronte gigantesque, on va pas se mentir. Ça m'a ragé, mais tellement. Ah ben, bon. C'est leur faute. Hein. Oh ça part, le moral, on va les avoir au moral. Oh, les brise-fers qui bourrent en plus avec leurs grenades. En plus, il y a quasiment plus de munitions pour leurs unités à distance. Ouais, c'est clair. Par contre, l'idole, il peut en régénérer à l'infini des munitions, ouais. Mais ça lui coûte des PV. Bon, faut pousser là, par contre, faut pousser. Oh, les grenades dans les gobelins. Ah ouais, là tu fais le nettoyage. Hein. Oui. Allez, Grimgore, viens là. J'envoie Thorgrim sur Grimgore, sur l'idole. Y a Wurzag aussi. J'y vais avec Belégar. Allez, venez me chercher. On rajoute un petit buff. Allez, Thorgrim. Oh, regarde, Trauma, le blob que je suis en train de faire devant toi. Oh, nice. Vas-y, nettoie ça. Oh oui. Oh, c'est magnifique. Oh oui. Oh, les grenades. Oh putain. Oh, j'ai une fronte de brise-fer et de martelier encore. Non, de longue barbe. Bon, il n'y a plus d'archers qui ont de munitions. Oh, à part ceux que je suis en train de défoncer. J'ai encore des arquebusiers, moi. Je crois qu'il y a mon maître ingénieur qui est en train, mine de rien, de sniper Grimgore. Aïe, nice. Oh, c'est la fin pour Belégar, merde. C'est bon, ça craque. C'est gagné. Non. Il y a l'idole derrière, mais... Ils ont fait 200 kills et 50k dégâts, les brise-fer. Non, plus de 200 kills, 400 kills. Mon maître ingénieur qui fait le tir au pigeon, là. Je rêve où Grimgore et récupère des... Ah non, c'est Wurzag. Eh ben la GG petite. GG les gars, propre. Hein. Oh putain. Enfin, pas très propre en vrai, mais... On a été sale. Bah attends, ils ont bien failli. Hein. En vrai, ça s'est joué à vraiment pas grand chose, parce que s'ils nous avaient brisé encore un peu plus, c'était mort. Hein. Pour nous, c'était mort. Ouais, d'accord. Mmh. Oh, les kills des brises de fer. Ah, terrible. Ah, les canons... canoirs qui ont pas fait... tant de dégâts que ça, finalement. Ouais. À 40 000 de dégâts, les brises de fer, les deux stacks. Hein. Bah moi, j'ai des tueurs qui ont fait le taf. Ouais. Oh là là. 12k dégâts. Ah ouais, j'avoue. Je vous switch. 88-50. Après, je pense qu'on devrait faire un squad stream pour comme ça, et ça leur permettrait d'avoir moins de fenêtres ouvertes en même temps, tu vois, pour stack la game. C'est vrai. Si, ils pourraient tout voir. Ouais, je suis d'accord, ouais. Ils pourraient tout voir sur un seul truc. Ouais. Non, parce que bon, on prend full pauvre, et qu'est-ce qu'on prend? On prend full nain, quoi. Ouais. Mais ouais, leur freinement, mais. C'est pas mon idée, quoi. Juste au cas où. Hein, parce que je vais encore être accusé. Les brise de fer ont fait des dégâts colossaux. Je crois que ça tankait juste. Ça fait mal. Essaye de changer de sujet, mais on sait que tu faisais snipe. Oui, vous me fatiguez en fait. C'est rigolo au début, mais je n'aime pas être accusé à tort en plus. GG les gars, en tout cas. Mais c'était impressionnant à jouer. Hein. GG.
Et voilà, en vrai, la bataille est passée à deux doigts de basculer en votre faveur au moment où vous avez chargé. Au moment où quoi ? Mais quand vous avez chargé, franchement, il y a un moment où moi, mes tireurs, ils étaient en train de se faire aplatir. J'étais pas serein. Et si, bah, clairement, si vous éliminiez définitivement ce DPS-là, on avait les deux mains dans le dos. Non, mais hors contre nain, dans 80% des gars, c'est le nain qui gagne. C'est surtout en attaque plus défense. Je suis assez d'accord, c'est trop tanky les nains. C'est surtout infernal. Que... trois nains. Et je partais pas sur ça. C'est le hasard, Alpha, c'est le hasard. C'est le hasard. Non, mais je comprends le Lord Friendly. C'est le hasard, Je partais sur Elf encore, mais ils m'ont dit, vas-y, on fait triple nain. Lord Friendly rigolo, mais putain, trois nains, plus jamais. C'est infernal. Qu'est-ce que c'est chiant. En vrai, c'est infect à jouer, je pense. Bon alors, du coup, vous voulez un peu swap les équipes? Qu'on varie les plaisirs. Alors, où est-ce qu'on met les Streamstalkers? Ah putain, c'est un bon nom d'équipe, ça. Streamstalker. Pas mal. Je vais les appeler comme ça, mais mon équipe sur Blood Bowl. Les Streamsnipers. Ok, attends, faut que certains quittent la game pour refaire les équipes. Alors, on peut faire... parce que du coup, là... Ouais, on va swapper. On peut faire genre... Trauma... Parce que là, la première game que vous avez fait, c'était sans souffrir contre Trauma et Maf. Oui. Ouais. Bon, alors on sépare ces deux-là. Trauma, capitaine d'équipe. Maf, capitaine d'équipe. Ensuite, on met absolument pas Eventis avec sans sushi. Oui. Ah bah super. Moi, je vais retourner peindre. Hein, c'est super. Bon. On peut faire ambiance délétère. Hein. On peut faire du coup, je sais pas, donc Trauma Eventis, Fred ou moi contre Maf, Sansou et Fred ou moi. Je sais pas. Tu veux, vas-y, Albus. Hein. Bah, Maf, Sansou, Eventis. Et Trauma, JDG, Sansou, comme dit le. Non, pas Maf, Sansou, Eventis. Trauma, JDG, Sansou. Ouais, si tu veux. Parce que ce que vous voulez, en fait, c'est égal. Hein. Vraiment. Ouais, bah, go faire ça alors. Trauma JDG sans sous. Ça marche. Let's go. Allez. Je vais nous switch. C'est plus moi le lead de la game. Sur TS. Qui est le lead de la game? C'est moi. Je rajoute un joueur humain pour que vous fassiez les switch. Ouais. Parfait. Il faudra que tu changes la map aussi. Tu me dis Alpha quand je nous swap sur TS, c'est quand tu veux. Ouais, bah dès qu'on a fait vous avez pas fait les swaps en fait. Faites un swap. Bah il y a juste Maf. Et moi je peux pas swap. Ah vous pouvez pas bouger. Moi je peux pas aller de l'autre côté en tout cas. Ah voilà. Attends. Appuie sur 1. Okay. Attends, c'est. Voilà, là, c'est bon. Ça marche. Il y avait que 3 trucs d'un côté en fait, j'ai pas vu. 2v4 du coup. Petit 2v4. Moi c'est pas mal. Ah, j'aime bien le 2v4. Donc Sansou, Trauma, Fred et Maf et Ventis Alpha. Ok. Let's go là-dessus. Allez, c'est parti. Allez, bien, allez. Vas-y, Trauma, y'a quoi en face là? Vas-y. Putain, mais tu me rends fou. Vas-y. Dis, tu vois quoi. Vas-y, FPFP. Okay. C'est si facile d'énerver Trauma. Ah oui. Il fonce dedans en mode mais putain. J'ai rien fait. Bon, alors que joue-t-on? C'est quoi ton armée, Alpha? C'est quoi cette icône? C'est le nouveau, c'est Rakarth. Qui aime les grosses bêtes. Allez, je vais jouer contre vampire moi. Ah. Je vais jouer contre vampire. Bah moi je vais jouer contre vampire. Ce soir, je joue full méchant. Je suis méchant. Je me sens d'humeur méchante ce soir. Mort vivant. Qu'est-ce que je vais mettre pour aller avec ça? Je vais même jouer les Von Karlstein ou pas? Bah après, ça serait Roi des Tombes, mais bon. Ah, Drisha. Oh, j'avoue. Allez, go Drisha. Drishka. Alors, c'est qui le héros ultra pété des. C'est Luthor. Voilà. Déjà, on met Luthor, apparemment. Ah, on peut jouer le Duc Écarlate. Marrant, ça, je savais pas. En multi, ouais. Je vais jouer un... Il y a quoi, du coup? Il y a le Roi Ghoul Strigoi. Herman.
Oh, je vais jouer Heinrich Kemmler avec... avec papy sur sa charrette. Non, mais comment il s'appelle, le taré, là? Ah, Krell. 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 Je vais jouer Krell. Ouais, ouais, je vais jouer ça. On dirait le nom d'une marque de... de cracotte. Et... les cracottes suédoises, les... Krell. Krell, pour des petits déjeuners réussis. Et saignant. C'est vrai qu'il est fort. Alors, je vais prendre des chevaliers de sang avec Heinrich Kemmler. Je vais jouer Blood Knight. Et... Wolf Skeleton. Mais tu sais que c'était pas une blague, vous avez failli nous retourner à la game d'avant. Non mais au début, il y a un moment on a cru. Ah bah nous puis, aussi. Et puis après, bah, la tankiness naine et le moral orc, quoi. Ouais. C'est vrai. Alors, malédiction de la non-mort, ressuscite combattant mort. ok. Ok, c'est bon, j'ai tout compris. Ah, ça sort mort-vivant aussi en face. Fred repart sur Skaven, donc je sens venir le, de nouveau full snipe. Full rattling et ouais. Ouais. Du coup, peut-être plutôt jouer du Varkheist, je sais pas. Oh, ou de la chauve-souris pour lui casser les couilles. Oh là là, oui. Genre, avec mon unité de merde, je te ligote. Ouais, c'est ça. Je suis chiant. Vas-y, on va voir jusqu'où on peut le pousser avant qu'il rage définitivement. Et puis, comme front, du lancer squelette à n'en plus savoir quoi foutre. Les austères, c'est bien, je crois, non, comme unit. Ouais, c'est très fort. C'est très tanky. Ça vous convient, ça, comme armée contre vampire ou côte vampire ou... Ah oui, parfait. Ouais, c'est bon. Équilibrage sur 20. C'est pas mal. Équilibré. Moi, je vais prendre du... Attends, fais voir. Ah ouais, je vais pas prendre que du tir, quand même. J'ai pas les chauves-souris, en vrai, j'hésite, là. Pas d'art, non, pas ça. Les guerriers squelettes, faut tout le temps les prendre en variante lancier, non? C'est plus tanky, oui. Bah ça coûte 50 de plus. Bah ouais. Ils ont 30 de défense de mêlée et t'as 22 de défense de mêlée pour les guerriers squelettes de base, donc forcément... Tu prends des zombies? Ça se prend des zombies ou pas? Ouais, ouais, complètement, parce que ça te fait, pour 100 balles, ça te fait une unité mur de viande qui peut gêner la progression d'une cave ou un truc comme ça. Ouais. C'est toujours utile de faire ça. Je crois que les rois revenants, c'est pas mal aussi, non? Ouais, c'est bien aussi. Avec le truc en goutte, là. Goutte? Ouais, ils ont une attaque, là. Scab Scrat. La goutte. Ça fait joute, ça fait un gros truc rouge qui fait mal, je crois. Une machine mortise, c'est bien? Bon. Machine Mortis, c'est super fort, mais le problème, c'est que ça va se faire full focus à la fois par Fred et à la fois par Sansou. Ouais, c'est un ça va crever. Et charrette, c'est de la grosse merde. Non, charrette, par contre, c'est ok tiers parce que c'est beaucoup moins cher. La charrette va t'apporter un buff de plus 5 de mêlée et de défense et d'attaque constant, donc c'est pas mal. Ok. Et c'est pas trop cher, et comme c'est beaucoup plus petit, c'est plus difficile à cibler. Ok. Ah, les chauves-souris, j'hésite à en prendre. C'est vraiment de la merde ou vaut mieux? Non, en vrai, tu peux vraiment les envoyer sur les tireurs ennemis pour les immobiliser. Après, ça tient pas super longtemps une unité de tir immobile. Parce qu'elles vont crever au bout d'un moment, elles vont partir. Moi, j'ai deux unités de cave. Je sais pas si c'est une très bonne idée. Je devrais prendre autre chose en vrai. En fait, je me dis que ça peut être bien contre l'arty de Fred. Fred, il va full artillerie. C'est ça. Mais en fait, si toi, t'arrives avec tes chauves-souris, il faut que moi, j'arrive derrière avec de la cave ou toi. Mais en tout cas, il faut arriver avec de la cave derrière parce que sinon, en fait, bah, elles vont quand même finir par s'en aller et donc ils vont se remettre à tirer. Ouais, on veut pas ça. Mais moi, j'ai trois. Sérieusement, vous pensez quoi d'une reine baisse? C'est très bien, une reine baisse. C'est trop cher, je trouve. C'est giga cher, mais c'est des giga dégâts. Le gros parce problème, c'est quand elle se fait cibler. Merci d'avoir rejoint. Ouais, mais en soi, parce que là, Sansou, il va pas bouger. Hein. Je sais pas. Ça va changer, peut-être ça changera. Ouais, mais Fred et Sansou, ils vont pas vraiment bouger, donc si je vais aller target avec, je sais pas.
Ouais. Ouais. Ok les gars. Ah ouais, attends, pas par contre... Ouais, je sais pas trop, mec. Hein, je sais pas trop quoi te dire sur ça. Ah, par contre, on va avoir un autre problème, c'est les... Si on va avancer avec la cavalerie vers, vers Fred ou Sansou, bah, Trauma va nous contrer. De comment ? C'est pas terrible. Bah, Trauma, il peut counter notre cave. Il est supérieur. Ah, oui, donc mes chevaliers de sang peuvent être dans la merde. C'est ça. Ouais, c'est vrai que la reine Bess, c'est pas forcément idéal. Shut up, demon. Ouais, j'avoue, archer monté à la limite. Ah, mais attends, mais j'ai pris toutes les compétences. Ah, mais oui, mais moi, j'ai pris tous les spells. Invocation de Néak, danse macabre. C'est de la merde, ça. Regarde Nagash. C'est fort, ça. Merci d'avoir regarde rejoint. Nagash, je connais même pas, je sais même pas ce que c'est. Résurrection, c'est bien. Vent de mort, c'est incroyable vent de mort, non? Ouais, vent de mort, c'est genre... c'est le vent le plus fort du jeu. Ouais, pas mal. Mais c'est, mais c'est un vent, quoi. Si il dévie, tu pleures. Zwip. Ouais. Tu te roules en boule et voilà. Cap d'ombre et de brume. Ah ouais. Même si pulcral. Mais avec la lame sépulcrale, il peut... En vrai, je sais pas, les chauves-souris, je vais partir full Blood Knight, je pense. Enfin, deux escouades de Blood Knight. Voilà. Oh non, il me manque deux. Ok, bon, moi je suis prêt. Bargeist. Pareil, alors j'ai pas beaucoup de... Ah, t'as pris un peu plus de mobile ? Ok. J'ai pris du Blood Knight que je vais accompagner avec Heinrich Kemmler. Et je vais full bully les... Je vais essayer de gagner les affrontements de cavalerie, je sais pas, je vais voir. Ok, bah alors je t'accompagne. Ouais. Je prends la cave. Je vais faire charger Kemmler avec les Blood Knight. Parce que Kemmler, il de ouf et il ressuscite les combattants. Et quand il tape, du coup, si je le mets dans le blob de Blood Knight, ça peut être pas mal. Je sais pas, je vais essayer ça. Envie de tester ça. Ok. Je vais prendre un peu moins de tireurs et faire un peu plus de front quand même, moi, alors. Ah non, je peux pas suivre la cave ? Bah, il a 66 de vitesse, et le Blood Knight, ils ont 70. Si, il peut suivre, de quoi tu parles? J'ai mis un cheval. Sinon, j'aurais pas dit ça. J'en reviens. Ok. C'est bon. Je sais pas. J'ai fait un truc, on verra. Ouais, bah, toi, tu vas être full. Ah, tu prends un cadavre? Pour la cavalerie de Trauma, je vais foutre dans la forêt, je vais attendre. En vrai, si ça marche, c'est le Gothi. Ça marche trop bien. Si t'arrives à l'atteindre, franchement, c'est... Tu peux wipe une unité de cave en entier d'un coup. Ça peut être rigolo. On va essayer. Et au pire, il servira à rien. De toute façon, il va pas bouger de la forêt, lui. Non. C'est une mine en fait. Ils vont marcher dessus. C'est ça. Re. Allez, ah oui, par contre, la map tout plat. Ouais. Tout plat. Tout plat. Allez, bon, c'est un peu expérimental la compo, mais. Oh, full. Moi, pareil. Ah bah... Et moi, donc. Moi, c'est full expérimental. Je vais avoir une force cave et une force front. Voilà. Je pense gagner. Je sais pas, j'ai jamais joué de cette compo et contre vampire, j'ai pas l'habitude. Bon, Fred, il. on se switch ou on les laisse lui dire? Pas ce qui se passe des côtés. Ah, voilà.
Allez, que ceux qui vont mourir vous saluent. Moi, ce qui est bien, c'est qu'on est déjà mort. Coup, c'est ça. C'est pratique. Pratique. Du coup, t'as pris quoi comme compo? J'ai pas du tout vu vos compos, les copains. Un tout petit peu de tir et de la cave. Je vais venir avec toi avec la cave. Ok. Il hésite entre 8 ratlings et 9 ratlings. Il peut pas, il y a la limite d'unité. Il peut pas. Ouais, on va voir, on va voir. Moi, j'ai... petite abîme de noirceur, là. Ah, si jamais s'il y a du globe. Donc toi, t'as le vent de mort, Alpha. Ouais. Bon, bah écoute, s'il y a des lignes, c'est pour toi. S'il y a des ronds, c'est pour moi. Exactement. Melkor a volté Alpha. Ok. Bon, bah on a perdu, du coup. Hein. Enfin, non, tout à l'heure, il a voté pour nous, on a gagné. Donc non, c'est plus valide, le jinx de Melkor. Bon. Okay. Les Blood Knight AOS, ils sont tellement beaux. Je sais pas si t'as vu les nouveaux Blood Knight de Age of Sigmar là. T'as pas vu, non. Je regarde pas énormément les unités Age of Sigmar. Moi. Ah, le nouveau sculpt des Blood Knight, il est sublime. Ils sont trop beaux. Ah, mais franchement, toutes les nouvelles unités de manière générale qui sortent ces temps-ci, les figurines sont quand même trop belles quoi. Ouais. Ouais, alors c'est de nouveau très très ambitieux ce que j'essaye de faire, ça va très mal finir parce que peut-être que je change de stratégie un jour. Bellacor, mais Bellacor il est somptueux. C'était ce week-end qu'ils ont ouvert les précommandes pour Bellacor, non ? Merci d'avoir rejoint. Ouais, mais il y a un truc bizarre, c'est que Bellacor c'est plus dispo. Oui, parce que il est bah, trop de commandes. Ah oui, c'est ouais, ça. Ouais, mais il y a un truc aussi, c'est que par exemple, là le nouveau jeu Warhammer Cursed City, ce n'est plus dispo. Genre c'est fini, ils n'en referont plus. Ah tu veux dire c'est définitivement oui, en édition limitée. Ouais ouais c'est édition limitée. Et c'est je sais pas, c'est bizarre comme manière de faire. Je suis pas hyper fan. Est-ce que ça veut pas dire que derrière ils préparent des nouveaux trucs? Peut-être, je sais pas trop. Mais ouais du coup c'est fini. C'est fini pour ça quoi. Ok, bon moi j'ai mon armée. On fait comment? On traverse peut... tout droit. Je sais pas. Du on coup, va c'est voir... quoi vos compos? Toi, t'as des gardes sylvains, du riff et de la garde éternelle, donc de la super fonte. Du côté des Ventis, t'as quoi comme compo? Ah oui, t'es fou. Il n'y a pas grand chose. Ah putain, il a la reine baisse et puis il a. Et puis c'est quoi. Ça quoi, il a la reine baisse et puis il est fan de la reine baisse. C'est tout. C'est ça, les fans. Ok. Ah, et puis je tente un move dans la forêt aussi. Juste laissez-moi avancer, on verra. Arthur, fantôme, canonnier, là, ça envoie du steak à distance aussi. Hein. Croak, oui, Croak, il est beau aussi, Croak. Nouveau Croak, il est très bien. Ah, je n'ai pas vu le nouveau Croak. Il est assez massif. Enfin, en fait, t'as Croak sur un espèce de trône avec tout un attirail ésotérique autour de lui. Il est pas mal. Mais c'est encore une figurine qui a juste l'air d'être un enfer à peindre. Oui. Une des plus. Bon bah c'est parti. Hein. Allez. On va voir ce qu'on peut faire. Et pro tips avec la reine Bess. Si jamais il a du canon, des trucs comme ça, à un moment donné, qui te focus, tu peux faire en sorte que tes servants de canon se retirent de la reine Bess, comme ça, elle est plus ciblable. Putain, mais il est parti encore full distance, Fred, vraiment, aucun honneur. Aïe, 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 attends. Jezai. Mais moi, je peux invoquer des trucs pour l'emmerder. Alors, attendez, quand on regarde ce qu'il y a... Ok, Troma, il a fait sa compo, il a toujours la même compo bretonienne. Là, il a sorti la compo compétitive qui a... énormément de population. Je crois que Troma, coup, elle est là, non, sa cave. Il a... Oh non, moi, à mon avis, elle est sur un des flancs. Okay. Mais du coup, Sansu, il a quoi? Sansu, on voit pas grand-chose de ce qu'il a. Hein. Tache noire, boucanier, pirate, zombie. Je pense qu'il a de la troupe cachée. Ouais. Alors, la reine Bess, c'est l'unité qui a la plus grande portée de toute la map. Ouais, je suis en train d'avancer du coup. Hein.
Les canons à Malfoot doivent avancer. On... Qu'est-ce qu'on fait, Alpha? On avance avec la cave dans la forêt? Ouais, bien sûr. On va essayer de pas trop se faire repérer. Allez hop, allez, le premier parti. Package, le premier colis Amazon qui est envoyé, mesdames et messieurs, exceptionnelle livraison par drone. Un peu brutale la livraison. Bon, les paysans, c'était peut-être pas l'idéal à focus. Ah, les canons à mal foudre, limite, focus. Ah ouais, ouais, c'est parti dessus là. Ça se tente là. Mais par contre, attends-toi à te faire rusher par le flanc gauche par la cavalerie de trauma. C'est genre, c'est ah, genre sûr. J'ai pas touché le bon truc. T'as touché quoi? C'était derrière. L'unité d'homme arme, d'homme d'armes. Putain, elle a pris midlife d'un coup. Ah ouais, ouais. Oh la vache. Ah bah Renbest quoi. Oh attention, ça commence à te focus. Ouais. Moi je suis quasi sûr que Trauma est dans la forêt. Oh là là là, elle était... Ouais. Ça les snipe pas, les canons à mal foudre. Ça va être compliqué. Tu peux détruire un modèle là? Non. Shut up, demon. T'as tué des servants de canon, mais y a aucun modèle de canon qui est détruit. Avec moi, ouh, dans tu vas la perdre. Ouais, je vois ça. Désengage. Il me snipe trop, je recule. Non, retire tes servants de canon. Là, il recule là, Fred. Il est où, Trauma? T'aurais du limite scout avec ton Terrorgeist, ton Luthor. Eh, avance avec Luthor là! Il se touche là, on a besoin de lui au front! Bah, je l'ai perdu en fait, du coup, ça marche mais pas ta technique. Ça, tu l'as perdu, de quoi tu parles? Non, mais je parle de la technique de. Ah, maf. Trop tard, non, trop tu tard. Fais clic droit. Clic droit sur le canon. Elle est détruite. Bah, hein, c'est trop tard, c'est trop tard, ils l'ont cassé. Ah, c'est, ouais, t'es tombé juste un peu trop tard en fait. Ah, c'est con. Parce que ça. Sinon, non, je t'assure que ça marche. Ok. Et Trauma, il a de la cave planquée, c'est genre évident. Ouais, par contre, t'as vu, on est au bout de la forêt et toujours rien. On va pouvoir atteindre ces. Bah attends, je vais faire une invoque de zombies. Ah, y'a. Chevalier du Graal. Charge-les. Ouais, il fait demi-tour, il a peur. Il a peur. Attention les ratlings. Ouais. Mais va falloir y aller quand même. Hein. Ok, ils sont. On est hors de portée pour l'instant à peu près. Je le charge, je lui charge sa fronte. Ok. Ok, j'attire le tir avec mes zombies de merde. Oh ah, putain. Roule. En fait, si on fait le tour par le côté, par la forêt, c'est, il va pas nous emmerder. Hein. Ouais, bah moi je vais aller un peu presque de face. Vas-y. De côté, il y a moyen. Ouhouhou. Ça. Tabasse. Je vais essayer de tomber. Il a Luthor aussi, lui. Oh. Oh, le blob. Oh, Alpha. Oh, le vent. Oh, oui. Le vent. Allez, ça part. Oh putain, si ça marche, c'est sublime. Il va passer. Oh, oh la vache. Oh, tu l'as détruit. Attends, je vais lui mettre la deuxième couche. Oh bah non, tiens, je vais lui mettre là. Oh là là là, qu'est-ce qu'ils ont pris? Quel bordel! Ouais, j'ai perdu une unité de Blood Knight. Il fait de la merde! Non, ils sont quasiment cuits là.
Vraiment. Je vais contourner tranquillou, mais... Ah oui, bien vu ça, Eventis. Les canonniers sur le colosse, on va le tomber vite fait. Ouais. Il y a beaucoup à gérer là quand même. Aïe, aïe, c'est quoi ça? Ah, il y a Louan, ouais. On s'en occupera plus tard de celui-là. Je vais me le mettre derrière l'oreille, je le fumerai plus tard. Ok, Colosse va tomber. C'est bon. Tu sais focus Luthor maintenant? Il est où? Ah, il est en train de se poser. Il est là. Là où il y a mes archers qui tirent. Yes. Il y a le prophète gris, je l'ai mis dans le mal. J'arrive pas à passer avec ma cave pour atteindre. Pour atteindre ses tirs ou quoi. Arrêtez de tirer, vous. Il est où Luthor? Il est mort? Pas du tout. J'ai fait un focus fire comme tu m'as demandé. Ah non, il est là. Il est reparti un peu. Ah ouais, ah oui, il a pris tarif. Nice. Est-ce qu'il y a des unités importantes à focus quelque part? Il reste Louan. Louange, j'ai un tricheur dans 72 secondes, si jamais. Louan, il est encore quasiment full life. Je pensais pas que c'était instantané comme ça. Ça se passe bien là. Ah ouais, il y a le prophète gris. J'ai focus Terrimitarize Rattling là. Nice. Je vais essayer de tuer le prophète gris à coup de flèche. Ah, les austères, ils ont découpé. Merde. On prend l'avantage. Ouais, ça se passe bien là. Il faut que tu m'aides sur Louan là. Ouais. Attends, j'essaie juste de vraiment me débarrasser des petits scavens là, histoire qu'ils fuient vraiment. Ils mettent tarif et là je passe sur Louan. C'est bon. Tricheur sur Louan maintenant. Tricheur, ça fait quoi encore? Il réduit ses résistances. Il devient un jambon. Ok. Il est turn to ape. Turn to monkey. Oh, c'est gagné, les amis! Oh putain, il prend cher! Oh, c'est la victoire du mal! Ah, c'est bien, tricheur. Ah oui, c'est fort. C'est balance. Mais ça lui fait quoi? Rien, ça devient un légume. Vraiment, c'est genre, il a plus d'armure, il va à 2 à l'heure, il sert plus à rien. Okay. Oh! Incroyable. Nice! Bien joué! Putain, c'était cool. Ça fait plaisir que le side qui attaque, qui rentre dedans, gagne! Oui, c'est vrai. C'est bien! Oh. Oh là là, ma cave! Putain, ils étaient en forme. Hein. Mon vent de mort a fait un carnage, j'ai 278 kills avec. User was ah ouais, Baf, regarde le cadavre pour souffler. T'as fait quelque chose avec? Oh putain. Et tu l'as envoyé où? Bah je sais pas, il était tanké dans une forêt. La mine. Bah GG. J'avoue. L'assaut triomphe. Ça change. Parce que putain, quand ouais, on a vu votre compo. On n'est pas assez de front, je pense. On n'est pas assez de front. On avait zéro front, ouais. Bah, il y a Trauma. En fait, le problème, c'est que c'est Trauma qui faisait votre front. Et la front bretonienne, ouais. C'est la front. C'est vrai que la front Côte Vampire ou Skaven, c'est plus solide. C'est vrai. Bah, Skaven, ça peut être plus solide, hein, parce que t'as plus de nombres. Oh. Et une meilleure value, en fait. Je suis pas certain.
Non mais tu peux, t'as, tu peux t'as vite un moral faire un... tellement faible que tu mets un sort et tout part. Ouais mais mec bretonien, t'as pas de morale et pas de nombre. Enfin genre c'est ouais, pire ça, encore. C'est encore pire. Aïe. Le cadavre il a fait 96 kills. Il a je sais pas sur quoi il a explosé. Je sais pas. Et vraiment, le je sais pas, je l'avais tanké au cas où Trauma bougeait ses cavaliers, comme ça fait bonjour. Mmh. C'est Olivier, de chez Carglass. Mais malheureusement, ça a dû péter sur autre chose. Bonjour à vous. Vous voulez faire une autre avec ces teams-là, ou soutien? Vous voulez, comme vous voulez. Ok, ok. Voulez. Vas-y. Bon, vas-y, on fait une revanche avec cette équipe, si vous voulez. Allez. C'est chaud. Alors, qu'est-ce que on va jouer? Il y a Trauma qui va regarder mon stream, du coup ça. Je répondrai plus. Il dit plus rien. Bah, si quelqu'un peut nous switch comme ça, on fait les strats là. Parce que là, tout le monde reste en mode, on est toujours pas ouais, switch. Je sois. On dit rien, on n'est pas switch. User was moved out of your channel. User left your channel. Ok. 3 paris gagnés sur 4, incroyable. Melkor ce soir qui gagne tous ses paris, exceptionnel. Incroyable. Bon, début de la richesse, il va bientôt racheter Microsoft. qu'est-ce que je vais jouer? Vous avez des envies de quoi, vous deux? Moi, j'aurais bien Skaven, tiens. Pour changer. Skaven? Ouais. Ok. Je vais sortir... Oh, un petit Snitch, allez. Snitch des familles. Petite dague dans le dos. Un petit Snitch. NT, t'as envie de jouer quoi? Non? Ah ouais, j'ai envie de sortir les nains au moins. Vas-y. Allez, petit combo nain Skaven, parfait. Surtout que j'ai subi les nains donc j'ai le droit. C'est vrai. Oui, bien sûr. Homme lézard. Ouais, mais homme lézard, moi je suis pas très. Pas très chaud. Hein. Homme lézard, je suis pas hyper fan perso. Ah, j'ai envie de me laisser tenter par du Nagarit full guerrier fantôme là. Allez, les petits souvenirs de campagne. Ouais, j'ai envie de me laisser tenter par ça. Avec des rôdeurs fantômes. Avec évidemment Alitanar. Et une... Ah quoique, Alitanar ou une archimage d'ombre? Ça peut être sur Dragon Lunaire. Hein. Peut-être juste sur un grand aigle. Un coursier elfique. Vous assurez la fronte et je m'occupe de l'artillerie? Ouais, moi je peux m'occuper quand de la fronte. Quand je dis la fronte, c'est que genre quand je vois ce qui est en face entre Roi des Tombes et Nain, je me dis que ça n'a pas beaucoup avancé, donc j'ai pas forcément besoin d'investir tant que ça dans la fronte et partir sur du firepower. Ouais, je peux faire la fronte, ça roule. Je peux faire du nombre. Quand même prendre quelques jésailles, hein, du coup. Les jésailles. Des petits jésailles. Moi, ça va partir ouais, sur full. Ah, je peux pas prendre plus de guerriers des ombres ni de rôdeurs fantômes. D'accord, ça compte pour la même unité. Interesting. Interesting. Mais. Mais. Je fais de la merde. Mais. Maître du savoir de ouais, je sais pas, non, plutôt un noble sur chariot. Est-ce que chez vous avez de l'anti-large? Oui. Moi j'ai de l'arc, donc oui, j'ai de quoi tirer sur du large. Ouais, moi j'ai largement de quoi faire. T'as de quoi tirer sur du large ou c'est de l'anti-large? Genre, ma question c'est, est-ce que je remplace un drac de feu en drac de fer torpille en troll? C'est franchement, mec, moi je te dis, j'ai beaucoup d'archers, donc... Après, mes archers vont certainement pull de la cave, des trucs comme ça, donc on verra.
Moi j'ai deux ratlings, deux vermines de choc à halbarde, donc contre des larges j'ai de quoi faire. Et en plus j'ai sneak et genre un colosse, enfin un nécrosphinx ou un truc comme ça, sneak, il va être bien face à ça. Hein. Ok. Dans ce cas là je reste full anti-mass. Ouais je pense que c'est bon. Vas-y. Mettre mon archimage sur aigle. Voilà, moi j'ai pas mal de... J'ai de la masse, j'ai vraiment de la masse. Ok, bah moi j'ai rien. Donc du coup c'est très bien. Oh, j'arrive à zéro tunas. Oh c'est beau, ça veut dire que t'as bien fait ton armée ça. Le coup allez, de bol, je pars avec ça. Plus rien. Et en plus mon sorcier qui coûte 666 deniers... Si ça, c'est pas un signe. Ouais, j'ai très peu de troupes, mais je vais jouer avec ça. Voilà, j'assume ma compo. J'assume ma compo, ça va être rigolo. Rôdeur fantôme, c'est tellement fort. Ouais, mais ils sont peu nombreux, ça qui me gêne. Les rôdeurs fantômes sont que 60. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Franchement, ça tabasse au corps à corps, hein, malgré tout. Oui, au corps à corps, ça se défend bien. Hein. S'ils m'envoient des trucs légers au cac... Mais je sais pas s'ils m'enverront vraiment des trucs légers, ça le truc. Peut-être des Théradons au cac, à la limite. Je sais pas, je suis pas sûr que Fred soit fan de Théradons, donc je pense pas qu'il y en aura. Je pense que c'est Sansou qui va peut-être gérer la cave, pas Trauma, parce qu'il va jouer Nain. Théradons ou Etripodactyles, mais franchement, s'il s'essaye à ça, il va quand même prendre très cher avec les tireurs. Je suis pas sûr qu'il arrive à nous atteindre. Ouais. Moi j'aurais plus peur de 2-3 Nécrosphinx qui parviendraient à briser la ligne et à toucher nos tireurs, et alors là ça serait la galère pour les faire partir quoi. Ok. Ouais. Bon on va voir. Faites vos paris mesdames et messieurs, moi ce sera ma compo, la compo de MAF sera, ah oui, beaucoup d'esclaves. Ouais. Attends, la viande. Snitch le boss. Pour moi, c'est bon. Côté 10, c'est lock and loaded. It's better be good. Putain, effectivement, Event 10, il n'y a rien. Y a Marines de StarCraft. Ready to roll out. Hop, il faut juste que j'arrive à caler un petit mousse là. Alors, c'est un Skaven, un nain et un elfe dans une taverne. Oui, à vous. C'est ça. C'est trop ça. Ok, c'est bon. Qu'est-ce qui arrive à Trauma? Bah, il joue nain. Ouais, impossible de continuer car un joueur a dépassé la limite de fonds disponible. Ah, peut pas être prêt. C'est pas moi. Pourquoi je peux pas mettre prêt? Vous pouvez mettre prêt vous? Non, mais il y a quelqu'un qui doit être en budget trop grand. Il y a quelqu'un qui est en train de fantasmer. Voilà. Ouais. Enfin, ah, ce serait quand même bien avec 8 canons à orgue. Ce serait quand même mieux. Hein. Compo Jurassic Park pour Fred, peut-être, on verra. C'est excellent comme format, super à suivre. Merci Jotun. Bon, on se fait ça de temps en temps, c'est toujours cool. Ouais, les soirées toujours Warhammer, c'est toujours chillos. Tellement hâte là quand on fera ça sur Warhammer 3 là. Oh, oui. On va se régaler. Warhammer 3 avec Mortal Empire, avec toutes les races qui sont jamais sorties jusqu'au début, mais ça va être un truc de malade. Hein. La compo d'armée, ça va nous prendre 2 heures. J'ai trop hâte de jouer Kislev. Ah ouais, c'est eux que t'attends. Ouais, Kislev, il me hype bien. Avec les nounours. Et puis Katei aussi. Ouais, Katei, j'ai vraiment envie de voir ce qu'ils vont mettre dedans. Et en vrai, j'aime bien le chaos, donc remake chaos aussi, trop hâte. Guide des guerriers du chaos. Mais plus hypé par le remake guerriers du chaos côté Chaos Undivided. Que Korn ou... Que les démons. Limite, Cinch, j'aime bien. Il y aura de quoi faire de toute façon. The most potent spells. And the most Shut powerful up, potions. Putain. Potion seller. I need your strongest potions. Ah putain. Fine, have it your way. C'est dans quoi ça? C'est une vidéo à la con. C'est une vieille vidéo débile. J'adore. Elle est trop bien. Potion Teller. You're a rascal.
With no respect for knights. Ok, j'arrête. Ça t'a marqué apparemment. Ah, elle est incroyable cette vidéo. Ok. Moi, je peux full déploiement d'avant-garde. Voilà, sachez-le. My boys are not too strong for you. You can't handle them. Je peux faire un déploiement sneaky beaky like dans la forêt. Dans la forêt. La question c'est, on a un nain et on a un skaven. Pas sûr qu'ils s'attendent à un déploiement sneaky beaky like dans la forêt du coup. Effectivement. Bah disons que bon bah on sait que quand on joue contre Alpha, on s'y attend en fait. Bah ouais, ça. Je l'ai pas fait une seule fois ce soir. Oui, non mais ce soir, mais je sais que si quand je suis contre toi, j'ai toujours des unités retournées vers la forêt au cas où. Tu dégoûtes, voilà. Moi je dis ça, je préviens. Tout ce que j'ai à te dire, c'est que tu dégoûtes, mec. Attends, moi je peux venir avec toi, avec Sneak, chez le sorcier. Fine. Have it your way. Et on leur fait un petit contournement avec ça. Vas-y, je peux venir avec mes mineurs. Non, non, c'est bon. Casse-toi. Mais barrez-vous. Mais non, moi, mais moi je suis invisible. Vous, mais vous oui, êtes mais moi aussi. Ah, toi aussi. Ah oui. Ah, mais vous en faites pas, les gars, j'arrive, hein. You can't come back tout à l'heure. Mais non, mais toi, tu sors le saucisson à 2 km. Aucune activité. Ok, oh, super. Putain, full toxique, ils sont déjà ready en mode vas-y, on les prend de court, on n'a pas le temps de se préparer. C'est génial de jouer contre eux. Fine, I mean you, fine. Ok, let's go, moi je suis prêt. Allez. Qu'est-ce qui est pas validé? C'est moi. Ah, s'il y a du monde là, mais je suis dead, hein. Vous êtes au courant? Il a déployé du monde ici, je suis juste mort. Après, j'ai vraiment beaucoup d'unités, donc il y a peut-être moyen, tu vois. Non, mais tu sais bouger, moi, au pire, bon, allez, je lance Sneak, je suis pour tanker une unité. J'ai quoi? C'est vrai, ça, tu peux envoyer Sneak, je crois. En plus, j'ai le beau gros debuff du plaisir. Oh bah non, ils sont même pas là. Oh là là, ça veut dire qu'on va pouvoir les contourner tranquille. Tout à fait. Allez, c'est parti, là. J'hésite à sortir ma cave, déjà. Non, je pense non, qu'on... Chut, tais-toi. Ok. Et ils ont des portées de bombardement ou pas du tout pour le moment? J'ai regardé, à mon avis ça doit enfin, être des nains. Y a pas d'artillerie du côté des nains. Non. Il y a des Ushabti à arc. Ok, je pense qu'ils viennent de comprendre qu'on a des unités planquées sur leur flanc. Je pense que je vais sortir ma cave. Tu stream snipe. Ah ouais, ils ont regardé le stream là. Ils ont regardé le stream, ils se sont retournés. Oh, ils ont tous Ushabti à arc, vas-y, ça dégoûte. Trop chiant, ouais. Ils ont une arche des âmes damnées, envie de mourir. Ah, il y a deux Carnot. Il y a une belle petite ligne de Saurus. Ok. Ah, ça y est, ça me focus. Bah super. Ça me focus avec l'arche. Le Neng est attendu en ligne de front. Le Neng, s'il vous plaît. Le Neng. Ah, moi, j'ai pas de ligne de front. Voilà. Ah oui. Ah. Bon, bah alors, je vais... Ah, moi, je vous ai dit, je peux ramener le firepower. Vous m'avez dit oui, j'ai ramené du firepower. Allez, ça marche, c'est parti. J'envoie le mur de viande. Mais je vais pas tenir 2 heures, hein, il va me falloir... Moi, j'ai emmerdé un peu les Ushabti, là. Ah, il fait hyper mal à mes tireurs, là. Mais il se mène le fion, lui, pourquoi il bouge pas? Son arche, elle est full focus sur moi, là. Bon, je peux faire une abîme de noirceur à un endroit critique, si besoin. Et ça t'a vu derrière, t'es en train Putain, de prendre ta... Putain, il m'a envoyé tellement de dégâts, l'enfoiré. Putain, mais je sers à rien, là, avec Sneak, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, mais c'est des lance-grenades. Oh là là, ça y est, il m'a attrapé une Gatling. La deuxième est presque morte. Oh là là, son arche, elle me fait tellement mal. Je vais essayer de l'atteindre. Putain, mais ça fait tellement de dégâts, ces merdes là. De quoi? Bon, attention, tu te fais flanquer par des Croxigors. Qui ça? Toi. Moi. Oui, oui. Ah oui. Dans le caca.
Allez, sneak, bordel! Non, c'est foutu, là. Ouh, oui, ça, c'était vraiment le truc qu'il fallait pas faire. Non, mais... Non, mais tu te fous de moi. Non, mais tu te fous de moi. Mais t'es sérieux, mais... Oh. Ok. J'ai perdu patience avec Snitch, donc je crois qu'il va mourir. Ah. Tant pis. Tant pis. Ah non, il va tenir. Bernard, tant pis. Oh putain, mais c'est c'est Croxy qui m'ont ouvert mes Rattling. Ok, d'accord. Fred m'a éclaté. Barre-toi de là, mon homme. Je suis en train de griller du nain en attendant. Ah, vous pouvez gérer l'artillerie des hommes morts, là? J'ai essayé avec mon noble, mais c'est pas plus facile à dire qu'à faire. Ouais, j'ai tenté le coup aussi, mais non. Ouais, ils ont une compo assez surprenante. M'y attendais pas. Barthod là, mon petit noble. Tu es trop noble pour ce monde. Oh. Regarde, on a l'avantage. Snitch, par contre, quand il attrape un personnage, là je suis en train de défoncer le Necrotect de Sansu. On a l'avantage, les amis, hein. Juste sachez-le. Ouais, allez-y. J'essaye de engluer ce que je peux. Je fais ce que je peux avec l'affront, mais voilà, il y a beaucoup de Saurus encore chez Fred qui sont dangereux. Ah oh putain, des tueurs de merde. Il faut que je chope la truc. Faut que je chope l'arche. Non, on gagne là. Regardez ils la. Ils ont chopé l'arche, c'est terminé. Regardez l'abîme de noirceur là. Oh, trauma! Coucou! Ah putain, oui, j'ai vu. Adieu! Zawar le dos! Allez, terminé. Bien vu. Incroyable. Oh là là, Fred, il me... J'arrive pas à l'arrêter. Hein. Ok, c'est bon, j'ai eu l'arche. J'ai eu peur. Alors est-ce qu'il faut cramer? Mais... Audren Kalida. Bien donc. Ah, il l'a prise sur serpent là. Elle est où? Non, elle est à pied. Elle est à Yep. Bon bah ok, il y a encore 10 000 Saurus qui se baladent, hein, mais... Ah ouais, il y a encore beaucoup de Saurus. Ah oui, sur le côté. Oui, il y en a encore beaucoup. Il y a encore Krogar, il y a encore un Carnot. Non, j'ai fait une erreur avec ma mage. Elle se fait déchirer. Oui, éloigne-toi. Oh, elle a pris trop cher. Non, ne fuis pas. Putain, c'est quoi ce coup? Regardez ça, ça m'arrive jamais moi quand j'utilise. Quand je tape des héros adverses. Elle a pris tellement cher! Elle a pris une baffe, mon gars! Voilà, et puis j'ai envie de mourir! Mais c'est pas. Attends. Putain, j'ai vu CHP qu'on fait. C'est qui lui a tapé dessus? Je sais pas, mais en tout cas, elle a pris des dégâts, mais c'était nimp.
C'est n'importe quoi. Attends, j'arrive avec Snitch. J'ai plus de mun moi sur mes... Ah non, je vais me faire oublier dans un coin, je crois que... Je vais juste par pitié, reforme-toi ma petite. Ah, il y a une grime, attends, j'arrive. Alors, je te mets un giga debuff sur une grime. Là, tu peux le tomber, là. C'est gentil. C'est qu'il me saoulait un peu, là. Ouais, là, je viens de lui taper un moins 40 de défense de mêlée. En gros, il va prendre quasiment 100% ah oui. des coups. Elle est revenue. Alors, regarde, tu vois, Snitch. Oh, oh, oh. C'est bleu. Et voilà. Ah mais Snitch, c'est du plaisir hein, pour ça. Oh, putain. Elle est stylée l'animation des Ushapti quand ils se font repousser par un truc. J'avais jamais vu. Vous avez déjà vu ça? Ushapti s'est pris un projectile de canon à flamme et du coup il a été projeté en arrière et il a planté ses deux épées dans le sol pour s'arrêter, ah ouais, tu vois. Ah non, j'ai jamais vu cette anime. Trop stylé. Il y en a tellement des animations à voir. Ouais. Ok, bon, mes canons à flamme, non, plus de munitions. Ok, on a l'avantage, on a l'avantage, faut qu'on se reforme. Il y a Fred qui revient. Ouais, Fred, il a encore son armée, c'est le problème. Ouais. J'ai encore tous mes dragues de fer à torpille à troll sont restés cachés en attendant Fred, donc j'ai toutes mes munitions. Ouais, faut qu'on se regroupe et il y a moyen de faire. Il y a moyen de faire. T'as encore des munitions, Alpha? Non, j'ai plus rien. Okay. Oh, j'ai un héros nain derrière moi, what the fuck, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah, au fond de la map, là? Non. Oh, il regarde pas. Qu'est-ce qu'il fait, il essaye de fuir? Barrez-vous. Barrez-vous, tas de cons. Tu restes là. C'est quoi ça? De quoi? Qu'est-ce qui vient de t'arriver? C'est toi qui m'as fait ces dégâts, Maf? Non. Maf? Si, c'est lui, je suis sûr. Il m'a éclaté mon unité de fusillé. Super le mate, génial, merci beaucoup. Oups. Tu lui as cramé la gueule? Ah non, il m'a explosé mon unité. Alors, genre, j'avais une unité de ranger, elle a disparu. Alors, en fait, c'est... Non mais il faut le dire si on joue à 4v2. Oh putain, hey, il a beaucoup de troupes Fred encore, hein. Mais c'est la merde. Hein. C'est, je ne savais pas que ça faisait ça à ce point. En fait... Je désigne un personnage ennemi. Non mais surtout qu'il est en train de fuir. Mais oui, mais en fait, attends, si tu veux, le truc que je lance, ça a deux effets. Le premier effet, c'est que ça immobilise l'ennemi. Et le deuxième effet, c'est que ça éclate toutes les unités alliées. Ça le transforme en bombe. On avance vers eux ou vous attendez? Je vais abandonner mes engins de siège. J'ai plus de munitions de toute façon. Mais du coup, effectivement, il y avait tes troupes autour. Arra. Terminé. Ah putain, mais surtout que je comptais sur eux de ouf pour faire les dégâts. Oui, je m'excuse. Snitch, oh, ne t'inquiète pas, c'est Snitch qui va tuer Crocker, tu vas voir. Ah putain, mais j'avoue, j'ai wipe toutes tes unités. Mais je savais pas que ça faisait ça à ce point-là. Ah bah ça fait mal, hein. Ah oui, oui, bah alors du coup, quand l'ennemi est à l'intérieur de ses propres troupes, par contre, ça doit être très très bien. Ah, ça a l'air incroyable. Genre un seigneur nain qui se met à l'intérieur de la ligne histoire de la faire tanker. Alors, il reste au cas où, il reste des longs barbes loin derrière de Troba, à Troba. Ouais, mais le temps qu'ils arrivent, la bataille sera terminée, non? En vrai, je vais lui mettre un petit coup de fusil histoire qu'il recule. Attends, il est caché ou il est pas caché? Je comprends. R. Qui ça? Mon prince. Il est où? Je le fais flank. J'ai utilisé l'armure des étoiles. Ah. Bah ils ont pas trop l'air de savoir qu'il est là. Ouais, je crois qu'ils savent pas, hein. They don't know. Par contre dans 13 secondes il est révélé, donc dépêche-toi. Ok, c'est mort.
On arrive. Ok, dans 4 secondes, il est révélé. C'est mort. À moins qu'il soit zoomé. On va espérer qu'il soit zoomé. Ah, hein. Alpha, t'as toutes tes unités qui sont en attente loin derrière. Ouais, mais ça, c'est les elfes, on joue comme ça, nous. Ouais. Et nous, les Skaven, on joue comme ça. On fait péter nos alliés. Et putain de nain là-haut. Il faut que je vous mette ma fête. Ils volent nos troutons. Et moi j'ai vu une opportunité de tuer un nain au milieu d'autres nains. Non, mais moi... là c'est pas un nain là, c'est... t'en as tué 40. Ah bah oui, mais c'est... je suis juste un Skaven efficace. Non mais comme ça, si on perd la game, on pourra. Il t'a vu, Alpha, il t'a vu. Oui, je sais. Ouzi. Ah, ils sont cachés. Moi, je vois du nain de loin qui sont en train de se battre pour une sombre histoire de meilleure bière de l'univers. J'en fais sauter un, ça pète les autres, c'est tout. Hein. C'est pragmatique. Oh, il est là. Ah, Kalida, d'accord. Alors, moi, j'engage avec mon infanterie, mais je vais pas tenir des masses. Hein. J'ai plus de morale. Déjà, en fait, c'est trop tôt, là. Hein. Ouais, on n'engage pas parce que si on les engage dans la forêt, moi ça m'arrange pas du tout. Non ? Ouais, ouais, un recul, hein. Trop tard. Ouais, oui, bah il recule là, il recule. J'essaie de lui attirer les Carnosaures. Carno, j'aimerais bien lui tomber dessus avec Snitch en vrai, mais. Je crois que je peux tuer Krogar sans qu'il puisse me toucher. Si je lui claque le déplacement impossible et que je l'atteins, il y a moyen. Okay, tu peux pas faire un grou-grou au nain là derrière et juste sûr qu'ils aient peur à bon coup. Qui ça? Alpha. Bah là j'essaye de faire un grou-grou mais... Ça va faire prout là mes rôdeurs. En même temps ça, 7 secondes putain. Allez, Snitch. Allez, hop, je l'ai surpris avec mon noble sur chariot grâce à l'armure. Ça, il s'y attendait pas, ça. Et j'ai plus de ressources, putain, il me reste une réserve. Allez. Ah, ok, j'ai plus de magie officiellement. C'est fini la magie. Allez! Putain, j'arriverai pas à l'avoir. Merde, Snitch, pli bagage. Putain, j'ai pas réussi à le tuer. Je donne tout sur son dernier blob, moi. Ouais, vas-y. Je vais lui tuer les dieux du désert normalement avec mon... Moi je suis en train d'éliminer le seigneur Tomb King. C'est bon, il est mort. Ah c'est bon, il est mort. Boum, la charge dans le dos. En fait je crois que j'ai voulu immobiliser Krogar, du coup j'ai remis le même truc que j'ai utilisé tantôt. Et t'es en train de dire que t'as encore tué des alliés, c'est ça? Non, parce que là il était tout seul, mais je crois que j'ai envoyé Snitch pour le taper et Snitch s'est pris la bombe. T'as de quoi m'aider là pendant que vous parlez là? Sans Sushi a quitté. Pardon? Oui, je viens de... on l'a éliminé. Oui, j'arrive. Ouais, j'ai plus rien mec, hein. Je tiens avec mon... C'est incroyable ce que tu fais. J'ai ramené... Oh putain, mon noble il s'est fait instant. Il a tout donné mon noble. Allez, chope Krogar, on y croit. Donnez tout, mes rôdeurs fantômes! Ouf! Pas mal. Oh ça reste... plie! Oh, c'est la Bim. Victoire! Incroyable! Putain, c'était GG! Oh putain, les elfes qui se faisaient déchirer, les nains qui arrivent! On arrive, mais on met une heure! Ah ouais, Event 6, il était trop chiant! Oh, ah, nains, quoi. Ah bah moi ma compo feu je l'adore hein. Allez, c'était une belle quelques dégâts sur les canons, quelques dégâts sur les dragues de fer. Oh putain les dégâts des canons à flamme. Mais comment ils font pour faire autant de DPS, ils sont hyper short range. Ouais mais tu as attends. Tu veux voir les dégâts? Va un peu voir l'armée de Fred. Pourquoi? Bah regarde. Ah, mais regarde tes Saurus. Ah les Saurus ça tape hein. Comment on voit les dégâts? T'as un chiffre et tu mets ta souris dessus. Ah oui, d'accord.
300 kills, 166, 144. Oh la vache, mais ils ont tellement défoncé tout. Ah mais ils ont tué du Skaven en fait. Putain, mais ouais, mais 18 000 de dégâts, c'est quand même gigantesque. Attends, Fred, à la fin, c'était... Allez, venez. Je vous attends. Putain, genre, pourquoi t'as... Enfin, j'ai pas compris pourquoi il y avait une armée immense si loin. Genre, à la fin de la bataille, je me dis, bon bah c'est bon, c'est gagné. Et là, je vois l'armée de Fred, je fais, ah... Parce que j'ai passé, moi, là, j'ai... Il y avait Maf qui était côté gauche, du coup, et je m'en suis occupé, en fait. Ah, ah tu okay. m'as roulé dessus, là. Les Saurus, j'ai jamais réussi à les arrêter. En fait... Le problème, c'est qu'on n'a pas Counter Event 6, du coup, il a bousillé ma front, et après, du coup, Alpha était free pour Arras. Et... Oh, ta front, elle a. Oh, c'était des chips. Ouais, j'ai rien pour te cache. Genre, c'était la pub Trésor, genre, il y avait du chocolat qui fondait, moi je buvais. Je pouvais pas t'atteindre en fait, donc. Oui. Je pouvais pas atteindre ton artillerie, tout ça. Et, mais ouais, ouais, de l'artillerie par contre, Sansou, moi j'ai bien vu. Full focus Sansou, moi. C'était un objectif, casser les couilles aux Ushabti. J'avais juste l'arche quoi, en artillerie. Ah ouais, mais t'avais les mecs, les Ushabti grand arc, c'est comme de l'artillerie. Hein. Oh bah, c'est les équipes d'Armscaven, hein, c'est la même chose. Oui, c'est le même genre de bail, mais c'est vraiment fort. Hein. Et par contre, c'était quoi qui tirait des trucs en shotgun là, qui faisait des explosions violettes là? C'était les harceleurs, c'est harceleurs, ouais. Ouais, c'est fort ça, hein. C'est chiant. Bah, ça, mais... poison, perce armure, dégâts magiques. Mais patrouilleurs illyriens, ils ont vu tellement flou au début. Mais c'est anti-large en plus, hein, je crois. Ah. Et c'est anti-large. Ouais, et encore, dites-vous que le Skaven, il y a un moment, il s'est trompé d'adversaire nain. Ah oui. Ouais, à un moment, petite, il a TK. Tiki Proko. Ah. Il a full TK à un moment. Il a fait un petit carnage. Vous voulez faire un petit swap de team? Allez, ouais, on peut. J'ai pas joué avec Sansou, je crois. J'ai pas joué avec Trauma non plus, je crois. Ouais, exact. On peut partir sur un petit Sansou, Trauma, Alpha, Eventis, Maf, Fred, ça vous va? Oui, okay. C'est bien. Allez. Donc je vais vraiment pas jouer avec Sansou de la soirée? Non. Ah bah, c'est mal à ça me fait mal à mon petit cœur. T'es puni. Ça me fait vraiment mal à mon petit cœur. Sansou, je t'adore. C'est pas ta guidée. Mais t'as vu, on est. Voilà. Un petit peu débridé. T'es bleu, bleu. Une petite partie de Gwyn. Tu peux mettre un slot supplémentaire s'il te plaît, Sansou? Yep, pardon. Nickel. Bah du coup, Sansou et Fred, vous pouvez switch et ensuite ce sera... Et ensuite, j'avais dit... Ah non, bah, c'est... Non, c'est pas ça du coup. Si, c'est bon. C'est Alpha, Fred, Trauma, non? Non, c'était Alpha, Eventis, Alpha, Sansou, Trauma, pardon. Oui. Oh, c'est compliqué, hein. Ah, excusez-moi, je mind part. Ouais. Du coup, il y avait juste qu'à Fred pour switch et c'est bon. Ok. Bah. Ah bah. Parfait. Mais putain, ah putain, ça rame quoi. Bon. Oui, ça c'est Total War Warhammer 2, ça. Et ça ah, je clique sur un bouton, cling. 3 secondes plus tard. Oui. Ça sur le 3, moi c'est ça que j'attends le plus sur le 3. Juste que l'interface soit enfin réactive. Ah ça va, il faut fluide, pas grand chose. Ouais. C'est... Ah, mais moi j'ai pas des attentes énormes. Qu'est-ce que vous attendez de Warhammer 3? Oh, c'est vrai que ça rame pas. Je suis pas exigeant. Que... Mais mine de rien, quand t'as joué à 3 Royaumes, c'est terrible. Genre, enfin, vraiment ça... Tu te dis à quel point le jeu pourrait être plus fluide quoi. Mais t'as joué au multi sur 3 Royaumes? Non, mais moi je trouve que c'est pas fluide non plus en solo. Hein. Enfin, j'ai le feeling que c'est pas réactif. Voilà. C'est moins fluide. Non, c'est clairement moins fluide. Moins fluide, moins fluide. Ok, bon, eh bien, allez, petit switch. Attendez, je fais le switch. User was moved out of your channel. User was moved to your channel. Et rebonsoir. Yes. Quel est le menu du soir du coup? Vous voulez jouer quoi? Je sais pas, mais en même temps, vu qu'on voit à quoi ils jouent, on peut s'adapter. Hein, parce que là, pour l'instant, on était en mode qu'est-ce qu'on veut jouer. Qu'est-ce qui fait de la map? C'est quoi? C'est une map genre colline avec beaucoup de forêts, c'est ça? Mais c'est celle... Attends, c'est pas celle qu'on vient de faire, ça? Non. Celle qu'on vient de faire, c'était une map neige avec 4 bouts de forêt au milieu et un gros carrefour. Mais c'est celle qu'on a fait tout à l'heure, alors? La toute grande avec les forêts sur le côté? Il me semble pas qu'on l'ait faite, celle-là. Non. Ça me parle pas. Je sais pas, il y en a 2-3 que je confonds. Ok, je sais pas, moi je... Je serais bien partant pour en faire une petite avec les hommes bêtes à la limite. Donc aggro. Ouais, mais après je peux m'adapter. Hein. Tu pars sur Elfe Noir? Je sais pas, je réfléchis en fait.
Je... Alpha, il fait, de... il fait de l'elfe noir, ça veut dire qu'il va... Qu'il va flank. Chroma, il part sur du elfe, ça veut dire que ça va être un masse archer et un truc au milieu qui tire partout. Ouais, à mon avis, ils vont partir sur de la cave pour récupérer bah, les masse plans, archer, moi, je peux refaire la même quand on a fait la compo full orc où je prends une idole et juste l'idole, je la laisse focus sur les archers parce que j'ai plus de range qu'eux, donc... Oh là là, ouais. Alpha, il part sur elfe sylvain. Ouais, du coup, ça va ça, être... ça va tirer à distance. Hein. Ou alors, on fait une compo full bouclier. Un bouclier, moi, j'ai pratiquement rien. Ah ouais ouais, en homme bête. Mais par contre, du coup, je peux prendre... quelques grosses bêtes qui chargent dans le tas et qui font très mal. Bah, je pense que vu leur team, Sansou va faire la fronte. Ouais. Donc ouais, il va ramener clairement beaucoup de viande. Et Alpha et Trauma vont faire les piou-piou. Qui s'occupe de l'artillerie? Ouais, je peux sortir. C'est vrai, que les elfes, ils ont pas de l'artillerie de ouf, effectivement. On peut les outrange. Ouais, je peux sortir un Sigor. Ah, je peux sortir un Skaven. Ok. Bah ah oui, si tu sors un Skaven, alors je prends pas le Sigor. Ouais, niveau artillerie, ouais, bah, prends Skaven, ouais. Et tu veux que je t'accompagne avec un nain pour assurer la fronte? Réfléchis. Je vais pas faire la même fronte que Trauma, hein. Full viande, ce sera une fronte beaucoup plus solide. Je pense pas qu'ils auront beaucoup de large, à quoi que les Sylvains, ils ont pas mal de large. Parce qu'en fait, si je te sors du nain, je prends une fronte full bouclier pour tanker leur tir, et avec des fusillés derrière, histoire de support... un peu les bêtes qui arrivent de qui arrivent. Donc, toi, tu le sens focus. Comme il essaye de te vendre, est-ce que je peux faire une autre game avec des nains, s'il vous plaît? Allez. Non mais en soi moi je m'en fiche. Moi orc ou nain ça me va. C'est les deux factions que je sais à peu près jouer. Même si nain clairement c'est ma spécialité mais... Bah si tu joues orc, on peut être tous les deux en attaque. Et du coup Fred peut s'occuper de l'artillerie et avoiner à distance. Et nous en fait on contrecharge tout ce qui tente d'approcher. D'accord. C'est un peu de plus rate. Bah plutôt que de faire une ligne défensive, bah on fait une ligne contre-offensive. D'accord. Par contre, je sais pas faire ça en orc. Donc si tu connais quelles sont les unités à prendre, je veux bien. Alors tu peux partir sur du orc sauvage en masse. Ça fait très mal. Et ils ont une petite résistance physique qui leur permet d'avancer quand même pas trop... Enfin, de tanker un minimum. Orc sauvage ouais. Ou boys orc? Parce que orcs sauvages n'ont pas l'air d'avoir une résistance physique. Ah, avec parler de... Donc, on attaquerait. Remarque, ça peut les surprendre. Si jamais je joue Skaven, ils vont s'attaquer. Ils vont s'attendre à ce qu'on reste en défense. Ouais. Bah, ah ouais, on peut y aller à 3 au rush. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hein. On peut y aller après... à 3. C'est parce que là j'ai pris Mortier Avalanche. Si j'arrive à l'amener à porter, le Mortier Avalanche, ça fait un carnage. Surtout si les archers sont pack. Ouais, clairement. Après, je peux sortir une petite compo incendiaire naine. Non mais vas-y, on va rester là-dessus. C'est bon. Il les veut, c'est tout. Bon, moi je vais prendre des chiens à poison, comme ça je vais m'occuper de contourner et aller chercher les tireurs un peu relous. Et des minotaures. Alors, tac, tac, tac. Est-ce que je prends une idole ou pas? L'idole qui balance des cailloux, là. Ça va faire fort cher. Si, fort cher. Si tu le prends, alors moi, je dois prendre une fronte, parce que là, j'ai du mobile. Bah, au pire, ouais. Bah, sinon, oui, vas-y, prends-le, je vais faire la fronte, alors. Ok. Bah let's go, donc on aggro. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ok, bah ça remarque, ça lui surprendra en fait. Ouais. Ils ont pas mal de... Je crois que les Sylvains, ils ont pas mal de caves, non? Ils ont de la bonne cave, ouais. Surtout ce qui n'a pas trop d'armure. Moi j'ai pas d'anti-cave, j'ai rien du tout. On a de l'anti-cave ou pas? Pour l'instant, non. Ouais, c'est pas bon. T'as les Rattling, quoi. C'est pas mal d'avoir un peu d'anti-cave. Rattling, ça fait très mal hein, sur la cave.
Ouais, mais sauf si le cave arrive dessus avant que moi je puisse tirer, quoi. Ouais. Attends, okay. Je regarde ce que je peux avoir anti-cave en orc, parce que je suis loin d'être un expert. Ah bah justement, c'est pas leur point fort. Je peux sortir une grosse ligne de lancier Ungor, ça coûte pas très cher, ça fera de la masse et ça gênera leur cave. Attends, je pense que je vais quand même virer une mitrailleuse Rattling et prendre une unité d'Albardier. Ok. Ouais, ok, je prends un Minotaur arme lourde avec, comme ça s'il y a un truc un peu solide, large, qui passe la ligne, je pourrais le contrer avec. Ouais. Mais j'ai pas de mobile du coup. Hein. Bah moi j'ai du mobile un peu, hein. J'ai 3 unités mobiles, mais après bon... Ouais, avec tes chars, il y a déjà moyen de s'amuser. Ah ouais, non, j'avoue, j'ai pas de magie. Merde. Bon, allez. À mon avis, Alpha, il va prendre full cave. Je pense qu'Alpha, ça va être le rôle de... ça va être le... son rôle, ça va être full cave. Ouais, ou beaucoup de tirs. Peut-être Roma va sortir de la cave aussi. Bah attendez, c'est pas... En vrai, bon, vous m'avez convaincu. Ouais, c'est bon. Ça y est. On va sortir la compo anti-cavalerie que je connais bien. Sur les nains. C'est quoi la compo anti-cavalerie? Ah bah c'est canon orgue et compagnie. Ouais. Mais tu veux, c'est-à-dire, tu veux qu'on les laisse venir? Moi, je peux avancer après un peu, hein, mais bon. Bah, écoutez, le mieux, c'est on fait une compo, on part sur une compo statique au début, on voit comment ça... Ah, ça crache? Non. Non, je crois pas. Ah non, d'accord, j'ai mes écrans qui sont éteints. Ah. C'est facile. Non, ça va, c'est bon, ça a redémarré. J'ai mes écrans qui sont devenus noirs et qui ont démarré, ok. Ma foi, c'est pas rassurant. Ouais, donc je disais, on peut partir sur une compo statique au début, on voit comment ça tourne, en fait, comme ça on attaque ou pas. Ouais, ok. D'accord. Tac, oui, on est d'accord. Une barre d'arme lourde, j'ai des tueurs au cas où ils arrivent. Plus rien, attendez. Tu nous entends? Que se passe-t-il? Oui, je vous entendais plus. Du coup, c'est... qu'est-ce que vous en dites? Ouais, c'est ok. On est complètement d'accord. D'accord, ok, ça roule. Let's go. Moi, j'ai de quoi m'adapter. J'ai pas... c'est pas ultra mobile ce que j'ai, mais j'ai quand même de quoi bouger un peu vite s'il faut avec les Minotaurs. Bon. Ouais, Ventis, t'as de quoi tenir la ligne s'il faut. Oui. C'est ce que je suis en train d'essayer de faire, là. Voilà. C'est je vais assurer la sécurité de Fred. Après, la dernière game où je jouais Skaven, on a perdu parce que justement il y avait trop de cavalerie en face et j'étais débordé tout le temps en fait. Le problème c'est qu'il, ou alors il faut qu'il y ait un mur d'une défense. Peut-être il faut vraiment qu'on s'attribue des fronts, quoi, tu vois, plutôt que de se disperser et de faire les trois en même temps, quoi. Qu'on reste tous au même endroit, tu veux dire? Bah, c'est-à-dire que genre, c'est plus facile pour moi d'un genre de gérer que le côté gauche plutôt que de gérer genre un peu à gauche, un peu à droite, un peu au milieu, tu vois. Ouais, ok. Bon, bah... Ah, mais on attendait que moi, ok.
Ouais, ouais, les mortiers, c'est considéré comme équipe d'armes. Hein. En effet. Bon, on va y avoir un peu de forêt. Un peu, ouais. Bah, en fait, il faut qu'on arrive à... Faut qu'on arrive à installer Fred en haut d'une des deux collines. C'est très loin. Ouais, c'est loin. Très loin. Avec de l'artillerie, on n'est pas encore arrivé. La vache, ouais. Faudrait, c'est loin. Et bon, voilà, voilà les collines aussi. Sinon, on campe, hein. On campe là où on est. Eux, de toute façon, ils ont rien pour nous outrange, donc... Ah bon, les elfes sylvains, ça rien ? Ah non, pas face, ça, je connais face pas. À de l'artillerie. Ça a pas d'artillerie, hein, ça a pas d'artillerie, les elfes sylvains. Je peux pas me placer, je sais pas si vous avez... Non, je suis toujours en attente là. Oh, 200 ouais, ça charge. C'est pas grave. C'est probablement Sansou qui est en train de remettre du charbon dans son PC. Ah putain, j'avoue, mais ça a l'air sa connexion aujourd'hui. Oui. C'est un peu une connexion à géométrie variable, hein, j'ai l'impression. C'est vrai que pour une fois, il nous a pas parlé en écran. Ben non. Parce que des fois, avec lui, c'est injouable, mais là, ça va. Ouais, là, par contre... C'est long. Parce que là, en fait, il habite dans un quartier où, en fonction du nombre de gens qui allument leur télé, tu as une connexion ou tu n'en as pas, c'est ça l'idée ? Ouais, c'est ça, ouais. Et puis c'est pareil, c'est les gens dans le quartier où ça fait 5 ans qu'ils disent vous êtes éligible à la fille, mais en fait... Il est au Machu Picchu ou c'est comment ça se passe, hein ? Non, attends, il est où ? Il est à Strasbourg, je crois. Bon, mais ça, le coup de vous êtes éligible à la fibre, attends, ah. Ça c'est une bonne blague. Je vois mon HUD, c'est bon, je vois mes unités. Bon. Ah, je vois vos unités, mais c'est bon. Ok. Moi là où j'habite, j'ai emménagé il y a 10 ans, et à l'époque ils nous avaient dit « Ah oui, désolé, vous avez la DSL, mais on va venir vous mettre la fibre dans quelques mois. » Voilà. Après sinon, il y a la strat... que je fais quand vraiment je suis en sous-nombre total contre l'ordinateur, on se met dans un coin. Ah, mais là, le problème, c'est qu'il y a tellement de forêt par rapport au coin qu'on va pas forcément en profiter. Ouais, ou alors vraiment, on se met vraiment au milieu, là, au fond. On se met au milieu, au fond, comme ça, on voit venir tout le monde de loin. On peut. Ouais, au pire. On peut faire ça. Oui. Oh, la map elle est immense. Qui veut le flanc gauche, qui veut le flanc droit? Moi je pense que je vais me mettre. Il faut que je fasse des tirs croisés. Il faudrait que je fasse un truc comme ça, parce que je suis sûr et certain que ça va venir à... Sûr et certain, là il y a plein de forêts à droite, c'est évident qu'il va faire passer des trucs dans la forêt de droite. Ah, vous voulez qu'on recule à ce point? Ok. Encore un peu avancé, moi. Mais je pourrais essayer de la tenir, moi, la forêt. Je vais essayer de tenir la forêt à droite. S'ils essayent de passer par là, je pourrais les intercepter. Moi, je vais vraiment disperser mes unités pour essayer de faire le maximum de tirs croisés possible. De toute façon, je vais me faire spawn. Je vais me. Ah, quoi que. Non, je peux pas. Si, je vais me faire. Je vais me faire spawn une unité de. Une deuxième unité de. De rats dès que ça commence. Je vais aller scout. Hein. Je vais juste foutre mes bonhommes loin devant. Je mets une unité de mineurs qui vont en direct reculer pour voir. Où est-ce qu'ils sont.
Je laisse mes unités anti-large. Je vais laisser mes unités anti-large autour de tes, de ton artillerie en arrière, Fred. Ok. Si jamais ils viennent et que je le vois pas crier un coup, d'ailleurs, je les mettrai dessus. Comment ça s'appelle les elfes des bois, ils sont pas avant-garde ou une connerie comme ça? Si, ils en ont beaucoup. Ils en ont, mais là, là, s'ils sont avant-garde, c'est terminé pour eux là. Pas des forêts derrière nous, sur lesquelles ils peuvent se déployer. Non. Ils pourraient se déployer derrière nous, mais pas dans les forêts. D'accord. Bon, de toute façon, ça commence dans 30 secondes. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Invoque, si tu veux faire une invoque d'unité, le fais peut-être pas en tout début de bataille, hein, parce qu'elle se désintègre avec le temps. Hein. D'accord. Je vais attendre un peu. Il y en a qui veulent pas valider. C'est moi, pardon. je suis encore en train de placer mes unités au cas où c'est Alpha, je le sais. Ah, t'en mets dans la forêt ? Ouais, ouais. Allez. Oh là là. Oh, ils sont loin. Il nous sort les sœurs. Ça. Aïe aïe aïe. Je suis sûr ils sont dans la forêt, ils vont pop par la forêt si on voit personne à mon avis. Ouais, clair. Bon, les sœurs, ça va être compliqué hein. Les sœurs, elles sont où? Tu les vois quelque part? Elles viennent de disparaître. Allez, ben les revelas, à gauche. À gauche. Sur règle. Moi, je vois que j'en vois une sur un monstre volant, là. Ouais, ouais, c'est les sœurs du crépuscule. C'est deux sœurs sur le dos d'un aigle. D'accord. Ben, on va attendre qu'elles viennent. Hein. Elles font super mal à distance. Et elles ont un gros truc de régène horrible qui peut leur rendre quasiment tous leurs points de vie quand elles sont presque mortes. D'accord. Et sur règle, c'est pas facile à toucher avec un canon. Alors soit ils sont en train de préparer un gros mouvement de contournement à droite. En tout cas, je pense que nos unités dans la forêt, faut pas qu'on les bouge. Ouais, ouais, touche pas, ouais. Toi, touche pas. Mais est-ce qu'ils viennent? Faudrait... On n'a pas une unité, genre, on n'a pas de fufu, nous. Parce qu'on pourrait envoyer un scout, là. Genre ici, fufu, attends. Ouais. Genre ici, tu vois, dans cette ligne là, en fait. T'as pas une unité sacrifiable que tu peux juste avancer Si je peux prendre une unité de lancier. Juste pour aller scout cette forêt qui est ici. Mais attends, non, sinon en fait, simplement je vais prendre mon chef Minotaur et je vais partir en longeant la forêt. Il y a deux unités de lanciers, il y a Trauma qui est dans la forêt ici. Je vais avancer avec le chef Minotaur, voir s'il voit quelque chose. Il y a la sœur du crépuscule qui fait le grand tour pour venir chez toi là. Je vais avancer mes catapultes pour forcer Trauma à sortir de son trou. Ah, si elle vient par là, c'est qu'elle vient scouter. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'unité ici. De quel côté tu veux dire? Là où les sœurs sont en train d'arriver à droite. Si lui les ramène là-bas, à mon avis, c'est parce qu'ils n'ont personne dans la forêt et du coup il veut venir voir. Ou alors il veut scouter avec pour voir s'il peut charger. Parce que moi, à mon avis, ici ça pue. Hein. Tu crois? Je vais avancer, ouais, non, mais il faut pas que t'avances, mais il faut pas que tu recules non plus, tu vois, parce que c'est la seule défense qu'on a à côté droit. Mais il faut pas que t'avances toute ton armée, mais je pense qu'il vient scouter pour voir si toi t'as des unités là, en fait, surtout. Ouais, ouais, regarde, il est en train de faire le scanner là, hein. En train de passer toute la forêt. Je vais avancer, mais... Donc il va nous voir là.
Ah, il a reculé ses troupes, il y a des zombies de Sans Sushi à gauche. Ouais, ils ont personne à droite. À tous les coups, ils ont personne à droite. Aïe, 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 les sœurs vont pouvoir nous allumer. En plus, on a rien pour leur tirer dessus. Si, si, non, t'inquiète. Ramène-les vers moi, c'est bon. Il a porté. Pour moi, il a porté. En soi, ils tirent sur des mineurs. Moi, je m'en bats les couilles. Hein. Ah, moi, je m'en fous pas. Je l'allume. J'ai plein de trucs qui coûtent... Ah, mais tu tires dans la forêt, Fred. Ça sert à rien. Ouais. S'il sort, il y a moyen, mais... Aïe, aïe, aïe. Je vais venir me planquer près de Teratling, c'est la meilleure chose à faire. Ouais. Ouais, y'a rien qui les touche, hein, c'est pas possible. Non mais il nous touche pas non plus en soi. Il micro-gère en plus, pour pas qu'on le touche. Franchement, il est intouchable si on fait ça. Les Ratlings pourraient le toucher, probablement. Les Ratlings, oui, mais je veux pas trop les approcher de la forêt, en fait. J'ai une meilleure portée, de toute façon, j'ai une meilleure portée... J'ai une meilleure portée avec mon Jésail de pierre, donc il va être obligé de s'approcher. Ça arrive de l'autre côté. Ah ouais, ah ouais. Regardez de l'autre côté. Ouais, vu. Alors par contre... Ouais. Là, ils ont une machine mortise. La machine mortise, c'est vachement dangereux. Et par contre... Je te laisse tirer de l'autre côté. Nous, on gère... on gère ce côté. La meilleure unité qu'on a pour sniper la machine mortise, c'est le canon à malfoudre. Elle est où, la machine mortise? Vu. Je m'en occupe. Je switch. Tu fais des dégâts magiques dessus, ça. Ah oui, c'est bon, les sœurs là, elles vont prendre tarif. Voilà. Voilà, là, son seigneur il se fait arroser là. En plus, s'il descend, je le défonce. Oh pfff. Je sais pas si t'as vu les dégâts que t'as fait sur la machine mortise en un seul tir. Je vois. C'est violent. J'approche mon mortier. Alors attention, va falloir le couvrir le mortier parce que c'est lui, il fera super mal. Ouais, je vais avancer mes bonnes unités vers lui. Faut pas qu'on se laisse trop poule pour le truc d'alpha là. Ouais. La machine mortise, elle tiendra jamais. Ok, il y a ma unité qui arrive côté. Ouais, je ramène. Où est-ce qu'elle est? Ok. Oui. Fais gaffe, Eventis, il est descendu sur tes dracs. Je sais. J'en profite, j'y vais avec mes Slayers. Il est en train de ramener son armée, Alpha. De l'autre côté, ça bouge. Ah, le Vla, c'est là qu'il est, ok. Oh, le mortier avalanche, quel plaisir. Le mortier il craque. Et regarde ça, la machine mortise, elle va... La machine mortise, c'est vraiment hyper violent quand ça arrive au cac aussi. Mais je crois qu'il y arrivera pas. On a quoi là côté alpha? Oh, des forestiers. Attention, sœur d'Avalon de trauma. Summon the Elector Counts. La cave de trauma a pris tarif. Hein. D'Alpha. J'essaie de venir t'appuyer avec les Minotaurs. Il me fait mal avec ses forestiers.
Je vais avancer légèrement, mais je vais aller allumer ses sœurs d'Avelorn avec le mortier. Parce que là, il m'a fait des unités de Rattling. Ah putain, j'ai peut-être bien fait une erreur là. Ah ouais, j'ai fait une erreur. Comment ça se passe du côté de la masse? Bah, c'est compliqué mais ça va aller. Enfin, on va voir ça. Franchement le DPS est plutôt pas mal. J'ai des zombies qui arrivent sur mes dragues de fer, quelqu'un peut les intercepter? Où ça? Côté, quel côté? Ouais, là. GG. Merci. Ah, je me suis fait éclater par les forestiers de Alpha. Oh, c'est chaud là! Tendu. J'allume, il y a un gros pack au sud là. J'allume ici avec le. Ouais. J'ai un pack sur mes fusillés. Je les fixe. J'ai des bretteurs qui arrivent dessus. Merci. J'ai des minotaures qui arrivent. Je suis en train d'exploser le nécromancien au corps à corps aussi. Je fais spawn une unité de plus pour fixer. Il y a des zombies. Je vais les fixer. Recule tes fusillés le temps que je les fixe. Attention, il y a de la cavalerie qui arrive sur nous, il y a de la cavalerie. Occupez-vous-en. Putain, il est revenu vite. Il faut pas qu'il atteigne, voilà, il faut surtout pas qu'il atteigne mes mortiers parce que c'est eux qui font le DPS. Tes mortiers, je crois qu'ils ont encore une munition. Oui, c'est vrai, mes mortiers ont plus de munitions. Ils ont tous craqué. Bah, je crois qu'ils ont ils ont dû faire beaucoup de kills là. Attends. Ouais. Ils en ont fait 500. Je crois que ça va. C'est bon, je tiens sa cave avec mes minotaurs. Il pourra aller nulle part. Ah, j'ai perdu mes fusillés, putain, fichier, je disais pas micro. On est pas mal hein, pour l'instant, on a le dessus. Hein. Ouais, là, j'ai perdu une grosse unité, là, malheureusement. Ah, la mage, là. Tu la vois, Eventis, la mage de Alpha? Oui, j'essaie d'y aller, mais c'est chaud. T'as rien pour la... Bon, c'est bon, je l'ai... Oula. Elle prend des gros coups du Minotaur. Il y a des unités cachées ici, pour info. Ouais, je crois qu'elle va revenir, mais bon. Ouais, là, c'est les lances projectiles qui nous emmerdent, en fait. Ouais, des forestiers. J'ai rien, j'ai pas de mobile, moi, pour aller les chercher. J'ai rien non plus. Ils ont bientôt plus de munitions, de toute façon. Par contre, il y a des sœurs d'Avalante qui en ont. Ah, mais t'es à portée, nickel.
Ouais, ça regarde, ça crame la sœur d'Avelorn là. Ah ouais, ça brûle bien. Hein. Ça brûle bien. Hein. Tire sur la... je tire sur la sœur du crépuscule avec la sœur, avec les ratés qui me restent. Ah ouais, merde, elles sont encore. Ouais, midlife. Je sais pas s'il a déjà claqué son. Est-ce qu'il l'a seulement son truc? Ouais, il l'a. Donc s'il passe sous la barre des 20% de points de vie, il a un gros soin qui se déclenche. Et il l'a pas encore eu, je pense. Ok, il y a une partie des forestiers qui n'ont plus de munitions. Ça se passe comment? Parce qu'il reste plein de petites unités à gauche qui sont low PV. Il faut les, faut venir les achever ou quoi? Parce qu'ils ont beaucoup de seigneurs, en fait. Hein, c'est ça, surtout, quoi. Eventis, t'as des arquebusiers qui sont reformés? Où ça? Là. En effet. Bien vu. Tomber les sœurs, ce serait pas mal. Les forestiers, ils ont presque plus de munitions. Ah ouais, je suis un peu tout seul face à Trauma, moi. Eventis, avec ton seigneur, t'éloignes peut-être pas trop. Si tu sais plus donner un coup de main à Morgur pour tuer le prince de Trauma. Ouais. Ouais, ok. Ah, oula, charrette. J'ai sur le prince de Trauma, du coup, c'est ça? Ouais, ce serait pas mal de pouvoir le... Ah, il y a les sœurs derrière, merde. Ouais, je suis en train de rechase les sœurs, du coup. Ok, les sœurs vont partir. Ok, les sœurs, quasiment mortes, ces sœurs. Alpha, il a perdu son héros. Ok. Il y a les forestiers là-bas, je vais avancer vers lui. Alors je viens aider ton seigneur Eventis, parce que là il est mal. Hein. Ouais mais le seigneur c'est juste un abus de bouche. Regroupez-vous, qu'on se regroupe un petit peu peut-être. Bah en vrai c'est tout ce qu'il leur reste, hein. C'est les sœurs et franchement ils peuvent plus rien faire là. Ouais, on dirait que le soin des sœurs s'est pas déclenché. Non. En même temps, il a foncé dans le tas et il a disparu. Ouais, il a pris trop. Il a perdu trop de points de vie d'un coup. Du coup, ça a pas proc. Ok. Merci d'avoir. Je l'oriente vers le vers en dessous. Morgur, il est en train de. Pas sûr qu'il va tenir très très longtemps, Morgur. Ah, Eventis, si tu sais tourner tes arquebusiers éventuellement vers le blob là. Ouais, je suis en train d'essayer de regrouper mes unités là. Les arquebusiers, je les envoie. En fait, il suffit de tuer le Mangorst et c'est ok. Ils vont s'écrouler. Vas-y, je focus tout. Non, touche pas Morgur. Ah, je vais bientôt partir, moi. Comment ça? Morgur, voilà, il est cuit, j'ai plus d'unité. À partir, d'accord, je me disais. Oui, c'est bientôt l'heure d'aller au lit. Je me casse là, c'est 23h, je vais aller manger ma soupe. C'est ça. J'ai déjà mes charentaises, c'est bon. Là, je suis en train de sniper. Oh bah regarde. Ouais, oh, c'est bon, oh, il va crever. Boum 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 boum. Attends, il y a une deuxième salve qui se prépare. Il n'y a plus de régène en plus. Allez. Mais t'as tes dracs en plus. Oui, il me reste mes dracs, ouais. Ah, il me reste beaucoup de trucs, hein.
moment-là, ça meurt. On va rediriger le... On va rediriger le feu vers le Seigneur de Trauma. Ouais, les sœurs d'Avalorn qui n'ont plus de munitions non plus. Non. Qui attendent la mort. Trauma qui vient de quitter aussi. Ouais, il... Non, il reste plus qu'Alpha. Trauma, il a plus rien en soi. Hein. Alpha, il a plus rien. Bah oui, c'est vrai ça. C'est fini. Yes, GG. Après, c'est full toxique. Un Nainskaven. c'est pas, vraiment c'est full pas toxique. Là en face, attends, elle. Ouais. Après, Alpha, il est tombé dans le piège. Hein. Il a waste toutes ses munitions sur. User was moved out of your channel. Was moved out of your channel. Yeah. Move. GG. Ah, c'est la compo du fun, hein, en fait. C'est full toxique. j'ai développé une sorte de haine envers tes appareils, mon cher Fred. Sur mes sœurs, c'était horrible. La toxicité incarnée votre compo. Putain, je vous déteste. Mortier, le mortier d'élite. Le mortier, il fait mal. 54 000 de dégâts. Mais bah oui, oui. C'est atroce, en fait. Ouais, quand mais comment dis, ça j'ai pas pu. Mais il y avait des gros blocs d'infanterie qui s'avançaient, ils les défonçaient. Ouais, 513 kills, cette saloperie, là. Putain. Bah, catapulte t'as pas été pas mal non plus hein. 20 000 oui. De dégâts. Ah c'est presque anecdotique. Morgur, comment il a fait autant de dégâts Morgur? C'est peut-être parce que j'ai spawn des unités et ça peut-être ça compte pour lui, je sais pas. En fait Morgur il fait spawner des rejetons. Il fait spawner des rejetons et il en fait deux. Donc okay. C'est les rejetons qui ont fait du dégât je pense. Ah ouais, j'étais deck parce que j'avais mon flanc et tout, genre j'arrivais à vous tenir et à vous faire trop mal. Et là je retourne la tête, je vois mes deux potes en sang, je suis en mode ah ouais, trop de dégâts distants vraiment. Les renforts sont là les mecs. C'était vraiment ça quoi. On a réussi à te faire waste je sais pas combien de munitions dans la forêt Alpha. C'était un mode parfait. En plus tu tirais sur mes mineurs, je suis en mode bah nickel. Par contre tu m'as défoncé mes minotaures toi. J'ai pas waste dans la forêt, je t'assure Aventis. Ma value non, il fait insane. La seule value où tu m'as fait chier c'est les drags de fer. En fait après le problème drags, c'est que t'es arrivé trop. Les minotaures, le chef minotaure. Les mineurs ça vaut que dalle. Ouais, je pense que t'es arrivé trop tard en fait, trop Alpha. C'est peut-être pour ça. Parce que du coup, genre Trauma, ils se faisaient. En fait, leur ligne était fixée, ils se faisaient dépouiller par le mortier. En fait, les tueurs nains démoralisables, les unités naines de merde qui mettent un milliard d'années à mourir, je peux pas faire autrement en fait. Genre, je peux vraiment pas faire autrement. Et puis, Maf avait beaucoup de force. Hein. Genre, vous étiez littéralement deux contre moi en fait sur le flanc. J'avais mon armée. C'est vrai. Et vous étiez deux sur ma gueule et j'étais en mode. J'espère que ça se passe bien de votre côté, parce que putain. Mais on n'avait rien pour aller te chercher, mec. Hein. Il était. Bah, et de l'autre côté, c'était. Oh, c'était la guerre, ouais. Non, mais c'est pas. Mais votre compo, c'était vraiment de la merde. Hein. C'est vraiment ne refaites pas ça, hein, par pitié. Hein. C'est tellement pas fun de jouer contre full distance comme ça, putain. Vraiment, ouais. C'est pas agréable. Essayez au moins de faire des trucs équilibrés. Je veux bien qu'il y ait un corps distance, mais. Mais putain, full distance et au secours quoi. C'était pas agréable. Hein. Bah, il y avait le nain qui faisait la frontline. Bah, le nain, il avait par défaut, il avait de la distance quand même. Ah mais moi, les seules distances que j'avais, c'était mes fusillés. Que d'ailleurs t'as Oculus disparu parce que j'ai oublié les micros. Je suis un peu deg. Oui, avec la beam de morceur. Ouais. Bon après mais... ça va, il restait encore beaucoup de modèles, donc ça a pu faire le taf à la fin. Mais à la fin de la bataille. Ah mais c'était fort. Mais bon. On a tenté, mais comme d'hab, hein, ceux qui bougent pas leur cul, ils gagnent. C'est 90% des games, c'est ça, c'est chiant, hein, c'est chiant. Il y a un problème de design qui est inhérent au jeu et au fait. Ouais. Oula. Je sais pas s'il y a un jeu à crash. Je sais pas s'il y a vraiment. Ah, c'est un signe. C'est Blood Bowl, moi je pense. mais ça je sais pas s'il y a vraiment une solution. Je sais pas comment ils font les joueurs PGM au level contre. Non, en vrai, les. Ils font pas de 3v3. Non. En vrai, les joueurs PGM, plus personne ne joue statique. Parce que les positions statiques, une fois que tu connais bien les forces et les faiblesses, tu peux ouvrir une position statique sans problème. En 1v1, je suis d'accord avec Alpha. En 1v3, tu couvres les des autres. J'aimerais bien voir des replays de 3v3 de mecs chauds. J'avoue. Tu vois, par contre, en multi, en tournoi et tout, en 2v2 ou 3v3, ça existe quasiment pas. Hein. C'est que du 1v1. Bah oui, c'est pour ça.
Parce que pas de c'est pour ça qu'on galère avec l'équilibrage, c'est parce que, et qu'on a ce sentiment que c'est toujours ceux qui jouent à distance, qui posent leur cul par terre, qui gagnent. C'est que en 3v3, la faiblesse d'une compo distance qui est que bah, tu manques de mobi, tu peux te faire flank, elle est contrée par le fait que elle tu vas avoir couvrir. Plusieurs joueurs. Ah ouais, ouais ça autres, c'est clair. Ouais. Ouais, en fait, c'est plus ça le problème, c'est que t'as, vu qu'on mixe les factions, bah forcément, par exemple, tu mets un elfe sylvain avec un nain, bah forcément, il se compense les faiblesses mutuelles. Mais par contre, si on veut équilibrer les choses, on pourrait très bien faire du 3v3, mais les mêmes factions contre les mêmes factions, quoi. Enfin, ouais, je veux dire, boring, par exemple... C'est boring, quoi. C'est ça, ah, où on joue tous le même camp. Oui, c'est ça, tous le même camp, mais par exemple, il y en a un qui prend... Par exemple, on prend trois joueurs empire, mais il y en a un des trois qui prend que de la cavalerie, l'autre que de l'infanterie, l'autre que de l'artillerie. Enfin, on essaie d'équilibrer comme ça, et au moins, on ne brise pas l'équilibrage du jeu qui fait que chaque faction a ses forces et faiblesses, quoi. Tu peux pas les contrebalancer par les forces d'une autre faction. C'est vrai. Ou alors on évite de faire des compos full distance. Ou des compos full cave, ou tu vois, des trucs trop... on essaye de jouer le jeu en mode on fait une compo équilibrée tous, tu vois. Moi-même, ma compo à la fin, c'était que du flanking. Et en vrai, peut-être que si on fait des compos un peu plus équilibrés, où tout le monde participe un peu à la front, ce sera peut-être plus, tu vois, plus équilibré. Je sais pas. Ouais, on peut essayer. Mais ouais, tout le monde a quitté la game ou comment ça se... J'ai pas compris. Moi je stoppe oui, là. Je sais pas, j'ai vu les gens quitter, moi j'ai quitté. Okay. Ah moi ça m'a viré de la partie. Ah ouais, moi je suis encore dans la game. Bah moi, si vous voulez en refaire une DR en 2v2, je suis chaud, sinon on peut arrêter là si vous voulez stopper. Moi je suis chaud pour en faire une dernière. C'est vous qui moi je stoppe là anyway. Ok, bisous. Eh bien, bonne soirée. Et 26 bisous. Ciao. Salut les copains. Bah vas-y, une dernière, ok. Combien encore en 2v2? On est 4. Ah okay. Oh bah parfait. Je rehausse la game. Okay. Blood Bowl 4. Ah, ok. C'est créé. Hop, il y a tous les slots. Ah oui, ou alors on se fait un free for all. Ah ouais, on peut se faire un free for all. Un Blood Bowl, il a dit putain. Ah ouais, go. Non mais j'avoue, go se faire un FFA, vous êtes chaud? Bah, ce que vous voulez en vrai. FFA, c'est marrant, t'as un côté très aléatoire ouais, et rigolo, fun, un peu débile. Ouais, vas-y, ça. Moi je suis chaud pour du FFA. Vas-y. Ouais. Hein. Faut recréer la game pour faire du FFA ou on peut changer. Ah non, oui, non, bataille seul contre tous, voilà. Ouais. Paf. Bataille seul contre tous. Pif. Allez. Non, je ne joue pas nain, rassurez-vous. Merci. Direct. Ce jugement. Et non, mais on se disait, à chaque fois, c'est la faction où on est en mode, ça casse les couilles. Genre, à chaque fois, hein. Plus que les Skaven encore. Largement, mais c'est encore une fois, c'est par design, c'est le fait qu'il soit... En fait, quand on va jouer nain, il n'y avait pas de problème. Ah bah oui, forcément, tu m'as focus toute la fronte avec tes saloperies. Mais c'est vrai que nain, en fait, c'est la tankiness surtout, je pense, qui gêne, en plus du DPS à distance. Bien sûr. Et bah tu vois, tes custodes, c'est la même chose. Bah non, parce que ça a pas un dégât distant, c'est des specs corps à corps, mon cher Aventis, justement. Ouais, ils ont quand même... Ouais. Attends, ils ont des motos qui démarrent dans un coin de la map, à leur déplacement, ils sont dans l'autre coin. Non. Ok, ils tirent pas, mais c'est eux qui bougent. Non. En fait, pour bien étudier le sujet, t'as du dégât distant redoutable, mais c'est plutôt du côté de Forge World. Les Dreadnought, les... Ouais, ce que t'as acheté, là Peladus. Oui, mais bon. Le truc que t'as acheté là. On m'a dit qu'il y avait des taux et des nécros en face, donc il faut bien répondre. Oh ouais, temps, ouais, les taux c'est terrifiant, ouais. Et, okay. Et toi d'ailleurs, ne fais pas trop le malin parce que j'ai lu. Bon, c'est vrai que c'est plus le cas. Toi, mais gueule, j'ai lu. Non, mais mon cher Alphacas, toi, ta gueule. Je te rends droit dans l'écran. Le truc qui part en couille. Droit dans l'écran, Alphacas. Tu sais que j'ai lu des trucs sur les taux. En V8, vous étiez absolument atroce ouais, à affronter. Ouais, mais vraiment, genre les nains. C'était les nains. C'était les nains de Total War Warhammer 2. Oui, mais un truc de fou. Exactement. Parce que mes barres, je jouais ça en fait. Par design, il y avait un souci de design. Ouais, c'est ce que j'ai lu. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on va jouer? Je réfléchis. On reste en j'avoue, vocal, histoire de s'insulter. Là. Bien sûr, oui, non, bah, on... Ah oui, c'est drôle, c'est ça le but. Petite parenthèse, parce qu'à force de nous spammer son bout de bol, là, Fred, en fait, quel est le... J'ai du mal à comprendre le concept, en fait. Est-ce que c'est... Déjà, c'est la version tabletop à laquelle tu veux jouer? Non, c'est un jeu vidéo. Mais c'est la version jeu, du coup, j'ai du mal à comprendre comment, à quoi ça ressemble, du coup.
C'est... Bah, c'est les mêmes choses. C'est pareil, c'est pareil. C'est un meilleur jeu. Oui, c'est un jeu en tour par tour. C'est exactement c'est tour pareil. Par tour, ok. Okay. Mmh. C'est exactement pareil, en fait. Hein. Là, t'es un gros joueur de Blood Bowl ? Non, pas du tout. Mais non, c'est juste que j'aime bien le jeu et il n'y a personne, j'ai jamais l'occasion d'y jouer, en fait. Donc. Ouais, pareil. Marmotte, il adore, apparemment. Ça joue jusqu'à combien ? Bah, après, c'est rencontre, après, mais c'est rencontre. Par contre, t'as plein d'équipes. C'est pour ça que le jeu est assez agréable parce que t'as plein d'équipes. Toutes les équipes sont vraiment différentes. T'as vraiment toutes les races, quoi. T'as toutes les trucs de Warhammer, tout ce qui existe. T'as même plus de factions dans Blood Bowl que dans Warhammer Total War, quoi. Ouais. C'est vrai, j'avais vu ça dans les. Et le 3, c'est pour cette année, c'est ça ? Ouais, pour août. Ah ouais, déjà. Bon, qu'est-ce qu'on va jouer avec ces conneries là ? Donc on a dit équilibré, c'est ça. Il va prendre full truc chiant là. J'ai envie de fun, je vais me faire un truc fun. Oui voilà, moi aussi. Je crois qu'il va nous sortir une saloperie. Allô ? Oui. On réfléchit. C'est la réflexion. On est tous à fond là en se disant, trop mal, il regarde mon stream là, il se demande quelle unité je vais prendre. Mais vous avez entendu ce bruit comme moi ? Ah, j'ai cru que c'est cassé la gueule. Il y a un mec qui est tombé, non ? Oui, j'allais dire quelqu'un est tombé de sa chaise. Non, c'est juste une porte chez moi, pardon. Ah d'accord. C'est porte blindée toi en fait, porte naine en fait, c'est ça. Château vieux. Bonk. I play tonk. Yes, I like tonk. Ok. Summon the Electric. Il est cher ce con. Et ça me paraît sensuel. Moi je pense que. Tout sensuel ce que je vois là. Ouais. Trop habitué au custo là. Trop de sensualité. Trop de sensualité. Ben regarde-moi cette hache. Est-ce qu'elle ne te rend pas tout bizarre ? Elle te rend tout chose. Tu peux la toucher. Jamais. De l'huile. De l'huile. Cette lance phallique. Bon. Yes. Est-ce que. Bon, moi je mettrais dit en fait. Hein. Ouais, je suis presque prêt aussi. Quand ça fait ça. Ouf, ouais, c'est bon, il me reste un pesos, c'est ok. Un pesos. On faire des choses avec un pesos. Ça dépend où. Et... Ah, t'as pris le KO, AlphaCast, je suis étonné de ces... Ouais. Ouais, je me sens rebelle en ce moment. Très bien. Je me sens... J'ai envie de taper. J'ai envie de taper les trucs. Ah, bah, je trouve ça rigolo, le chaos. Je trouve ça rigolo. Allez, va. C'est un truc que j'ai jamais fait, mais... Oh, il va faire full terradon. J'en suis sûr. Il a pris que des terradons. Ah, j'ai jamais fait ça. Allez, on va jouer sympa. Full truc qui bombarde dans l'air qu'on peut pas toucher, c'est sûr. Je le sais. Oh putain. Bon, eh ben moi je suis prêt. Ouais, pareil. Bah, moi aussi. Bah, tout le monde. C'est parti. Le meilleur gagne. Donc, pris la compo la plus toxique gagne. Bonne chance. Full carrière d'un. J'avais fait cette map, hein. Pour le coup, ça se trouve, c'est de la grosse merde. Voilà. Désolé, c'est de ma faute si c'est de la merde. Voilà. Ça reconnaît pas, je t'avoue. Non, Free for All, c'est. De toute façon, c'est des maps qui sont faites pour se retrouver au centre et sur les flancs. Putain, on voit rien. Ouais, on voit rien, ça fait chier. Particulier, hein. C'est. Space. Là, on est chez toi, Fred. Apparemment. Je reconnais Perpignan, effectivement. Ouais, c'est Perpignan, ça. Ouais, c'est Perpignan, ça. La tête il y a plate. Petite terre. La
map horrible, ça se trouve, ouais, je sais pas. Je crois que je l'ai jamais faite aussi, je la reconnais pas. Pour du jeu classique, ouais, ce serait horrible, mais pour du free-for-all, ça va. Ah, quand tu regardes de près les... Ah, je sais pas. Quand tu regardes de près les bâtiments Homme-Lézard, c'est écrit. Hein. T'écris quoi, Perpignan ? Molas. Molas. Rouski. Rouski. Trop bon, les Rouski, incroyable. Ah oui, ça c'est vrai. Putain, alors qui est-ce que je vais me taper ? Donc j'ai Troma sur mon flanc et j'ai Fred sur mon flanc. Bon alors, Fred, voilà. alliance de circonstances autorisée. Tout le monde va se planquer dans de la forêt, c'est sûr. Bah oui, ça. C'est le but du free for all. Voilà, moi je. Perpignan, c'est marais, c'est pyramide. Je fais un déploiement. Est-ce qu'il y en a un qui a fait une compo full avant-garde ? Non. Non. Ça, c'est le genre d'Alpha Cast. Le mec aux cheveux gris qui fait ça en général, mais bon. Je me méfie. Oh, je sais pas moi, j'en sais rien. Putain, j'ai pris un sorcier, j'ai oublié de lui enlever des sorts. Il a tout fait chier. Quel couillon. C'est pas grave. Alors. Ah ouais, il y a quelqu'un qui s'est mis ready et du coup cher. Ok. Ah putain, mais on est loin. Ah, il a pas fait Terradon. Qu'est-ce que il c'est que ça? Il a changé sa compo au moment où je suis désolé. Il a changé sa compo au moment où il a dit que j'ai fait ça. Oh bah, ah bah alors, ah bah Troma. Ah, t'as refait la même compo en fait, t'as rien changé. Qu'est-ce qui se passe avec Troma là? Il y a une agression directe? Non. Oh, non, il a non, fait full mais... cave, mais putain, trop chiant. Et ben voilà. Allez, on attend maintenant. Y'a personne qui bouge. Le premier qui bouge. The Alpha, viens, on va trouver Troma là, parce que. Ouais. Allez, vas-y. Il va être chiant là avec toute sa cave. Ouais, t'as raison, t'as raison, vas-y, go. Il est vraiment en mouvement. J'arrive. Mais oui, mais attends, faut bien aller chez quelqu'un. J'arrive, allez. Salut Troma. Salut, grand fan. Grand fan Troma, ça va? Ça va ou sinon? Ça va. Ça va, ça va. On se notre vie, hein, putain. C'est ça. Pas pour rigoler. Vous avez passé un bon week-end, tout ça? Non. Moi, de. Non. Ça va, c'était ma dernière question. Non, à chier. Moi, j'ai ruiné une pétition cet après-midi. C'était T'as un ruiné grand une moment. Pétition? Oui. Une pétition de quoi? Bah, en fait, on est allé dans un parc avec, avec la petite famille, quoi. Et puis, il y avait un stand avec une pétition pour une cause que je trouvais plutôt sympathique. Et j'ai voulu signer, et en fait, t'avais, tu sais, le petit flacon pour se désinfecter les mains avant de prendre le bic. Ah, bordel. Et c'était un de ces flacons que, quand tu effleures le dessus, ça te balance un jet à 2 km. D'accord. Et ben, le jet, il a absolument pas touché ma main, et il est allé en ligne droite sur la feuille avec toutes les signatures. Et il a ruiné toutes les signatures d'une page. Mais non. Bien joué, ça. C'était pas prévu. Ah, le pauvre meuf. Quelle était la cause? Oh, c'était un truc pour un parc comment, public qui voulait se faire privatiser, enfin un truc dans ce goût-là. Mais voilà, j'étais un peu... Je savais pas trop où me mettre. Je m'étonne. Tu m'étonnes, ouais. Pourquoi tu t'es arrêté, Fred? T'es bien parti. Pourquoi oh, tu t'es oh, oh, pourquoi... si bon chemin? Pourquoi là je sens mes deux fesses qui se compressent les unes contre les autres, là-haut? Ils savent qui est le joueur le plus dangereux. Celui qui a des milliers d'heures sur Total War. Mais pas en multi. Tous sur ma vraiment. Non. Ah putain. Oh là là, il y a des trucs mobiles qui vont m'arriver dessus. Ah d'accord, d'accord. Oh, il y a un boulet de maf qui fonce sur... Ouais, vas-y, Troma, on s'allie. Ah, et moi je suis à l'autre bout de la map, je vais arriver dans une heure. Trop chiant.
Vis ma vie de joueur nain. J'avoue. En FFA, voilà. Là, j'avoue, c'est tellement ça en nain. Genre, personne veut venir vers toi et toi, t'es là en mode. Oh. Surtout, n'hésitez pas à vous battre hein, plutôt qu'à regarder. Vraiment, ah ouais, non, mais là, là surtout, si vous avez envie, il n'y a pas de problème. Hein, c'est, moi, je regarde, moi, là. C'est bien. Moi, je me bats. Regarde un petit genre le stream tranquille. Bah oui. On savait ça, on savait trop. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Troma, il va attendre la fin de la game. Oh, le palmier. Le palmier qui a tanké le tir. Oh putain. J'ai eu chaud là. Par contre, c'est que de l'eau. C'est casse-couille. Voilà, Fred, t'es attaqué par de la cavalerie du chaos. Attends, je vais t'aider. Putain, j'ai des palmiers, mais les palmiers tankent tous les tirs. Ouais, je peux rien faire, il y a des trucs partout. Oh là, les salamanders, les salamandres, c'est... J'avais oublié que c'était pas que des Space Marines. Wow. On va aller. Je vois le bail qui est en train de se passer chez Maf. Je suis pas d'accord. Désolé, la dernière fois, j'ai pas voulu le faire à Fred. Par principe, tout, mais je j'ai crois. Plus pitié. Là, j'ai plus rien à foutre. Ah, c'est louant en plus, mais non. Mais non, c'est dans ta tête. Mais je peux pas traverser cette merde là. Putain, c'est trop chiant. Ah ouais, ça y va quoi. Ça se tape dessus ici, là, je vois là. Il me regarde mal. Il me regarde mal, j'ai peur. J'ai peur. Qu'est-ce qu'il fait? Bah viens, Troma! Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait là? Salut les gars! Bon ben! Ok, Troma, tu sais que on va courir toute la map comme ça? Ouais, non, j'ai vu que t'avais des arcs, je me casse, hein, je sais ce que ça va faire. C'est insupportable à affronter. Ouais, donc, courir toute la map, hein, comme ça, tu le sais, ça. Non, je rigolais, salut, hein. Salut, mec. Putain, mais barré. Vraiment, les contrôles de ce jeu, j'ai envie de mourir des fois. Hein. C'est très bien. Voilà, allez-vous-en. Du lézard l'autre maintenant. Con de loin là, c'est bon. Loin, cœur de lion. Je la voulais au moins une fois ce soir cette phrase. L'autre con de loin. Voilà, Archaon il est plutôt facétieux. Il aime bien faire des blagues. De ce genre là. Oh là là, sur Maf. Oh, Alpha, t'es un enfoiré. Archaon il aime bien. Quoi? Il aime bien. Mais non, mais je participe à la bataille. Le salaud, quoi. Je participe. C'est vraiment un chevreuil sauvage. Hein. L'essentiel, c'est de participer. Ah ouais, non, mais d'accord, il est là comme une fleur, l'autre. Allez, vas-y, oh là viens. Là. Il vous balance tout ce qu'il a en spell dans la gueule. Allez, il repart. C'est... Mais non, mais c'est rien du tout. Ah non, fais pas les dégâts, j'ai ma tête enflammée qui arrive. Ah, premier souffle, premier servi, hein. Oh, bon, mais puisque c'est la fête, hein, rien à foutre. Hein. Ouais, y a tout le monde au milieu. Oh, putain, allez, mais c'est moi. Voilà, allez. Tout le monde au fois. Milieu, mais c'est moi la biscotte au milieu, j'en ai marre. Ah, tu m'as tué, ma putain. Allez, bah écoutez, nous on est une bande de Gaulois à l'attaque. Joignez-vous au carnage pour Korn. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'il fait l'autre là, tricheur?
Ah non, mais Archaon, c'est une chips au cac, ça me plaît pas. Mais viens, laisse mais pas faire. C'est trop bas, j'ai déjà perdu, hein, ça sert à rien de te focus sur moi. Hein. Il en faut pour tous les goûts, hein, un coup à chacun. Hop, toi tu vas aller sur ça. Mais Alpha, t'es deuxième. Mmh, alors que t'es celui qui s'est le moins battu depuis le début. Mais si, je me bats là, je suis à fond là. c'est spell de mort en fait. C'est ça. Mais en fait, on a donné la win à Maf. On a fait comme à Ted en le focusant. Cette game avec Ted, quel vol. C'était mythique. Et en fait, on a feed Maf littéralement, on lui a donné la game. J'ai chez Maf. Mais c'est pas fini hein. Non, j'exagère bien sûr, mais je pense bon, que pour moi c'est fini. J'ai pris une compo troll, j'ai jamais fait ça, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ouais, c'est le but des free for all, c'est rigolo. Bah oui, tant moi là. Moi je fais une big melee de cavalerie, c'est très rigolo. Par contre, le cristal de renaissance, je l'ai encore une fois essayé en me disant allez, est-ce que je vais réessayer. Ça n'a jamais marché une seule fois de ma vie. Je ne sais pas comment ça marche. C'est censé ressusciter les morts, j'ai jamais vu un seul mec se faire ressusciter par ça. Je le connais pas. Salut Alpha. Hein? Quoi? Oula. Ça fait quoi? Des tirs de Renbess direct dans ta cave. Elle est où ta Renbess? Non, elle marche plus. C'est ça, elle marche plus. Putain, je sais pas où elle est, c'est trop le bordel. Mais merde. Elle est un peu faible. Hein. C'est plus que le bordel, c'est la foi absolue. Oh le quoi, putain vous êtes pas fair play. Ah oui mais la vache mais quel bordel. Ah c'est rigolo. Oh mais franchement mais tu sais que ce genre de situation si j'avais un je sais pas un vent de mort ou un truc comme ça là. Tu vois ton gros pack de troupes Alpha autour de ma Renbess. Bah là je balançais un vent de mort et franchement j'étais impossible à rattraper en point. Ouais mais t'en as pas, bah, ben ouais, c'est bien dû. On est plus, il est fini. Le pire Alpha sérieux. Alpha 4 ans. Exactement. Allez Luthor il doit bien pouvoir taper quand même un peu au cac. Ouais. Mais lâche-moi Archaon là. Tu vas me rattraper au point, ça suffit là. Mais non. C'est faux. Ouais, ça brûle, ça brûle les chevaliers. Mais non. Hop, faudage les gars. Je peux te dire que ça brûle. Tes unités qui me bloquent là. Je peux te dire que ça brûle, hein. Si, ça brûle. C'est fait pour. Ça va, je peux pas trop. Loin, il s'en fout. Ouais. Ouais, mais c'est bon. Eh, ça va se départager entre vous deux en fait. C'est très serré. Mais non, il va me dépasser, ouais, voilà, ça y est. Ah, comme il a fait le chevreuil avec sa magie, Alpha. Ah, ouais, mais. C'est fourbe le chaoteux. Ah, hein. Oui, c'est très fourbe. On est des petits farceurs. Non, mais laisse. Archaon, il a rien fait là, laisse-le. Viens, Arcachon, viens. Tu nous as créé AOS déjà, donc tu vas pas fuir là. Ok, bah, pas de problème. Bonjour Arcachon. Ah je peux plus décoller. Des buffs là. Ça m'intéresse pas. M'intéresse pas. Pas lui mon fou, m'intéresse pas. Arcachon. Je veux voir ton bassin Arcachon, viens là. Putain vraiment t'as dit ça là. Rigole pas, tu veux faire que l'encourager là. C'est vrai ça. C'est la seule parole sage de la soirée, je crois. Moi je valide non, automatiquement les blagues de trauma, je le comprends. Allez, pas de problème, moi je me bats au milieu de mes boys. Les boys, tu n'es pas un orc Alpha Cast. Ah oui, merde, c'est vrai. Mais trop mal, laisse-moi, j'essaie de tuer Archaon. Ah bah vas-y, hein, finis-le. Hein. Mais arrêtez! J'essaie de le tuer moi aussi, Archaon. Vous êtes juste des mauvais joueurs.
Alors, vous aimez comment les élus à Hallebarde? Moyen. C'est bien, hein? Je répondrai pas. Oh bah tiens, il a fait prout, loin, il a fait prout! Ah la vache, moi aussi. Hein. Oh. Les élus, c'est mort là. Oh les élus, mon gars, mais quel plaisir, les élus du chaos! Ah bah voilà, j'ai fait prout. Quelle dinguerie, les élus du chaos, c'est un truc de ouf. Non, arrêtez-le, il va décoller, c'est pas rigolo, on voit pas ça. Tapez-lui dessus. Une petite boule de feu à lui envoyer? Aussitôt dit, aussitôt fait. Ok. Allez hop. Merde, ouh, j'ai tué il l'a un pas méga. Aimé. Ah oui, ça c'était. Ouais. Attends, mais combien il a régène autant, Arcachon? Il a pas régène. Il régène pas, hein. Non, non. Bah. C'est juste que vous. C'est juste qu'on lui a rien fait, mon gars. Vous tapez avec des épées en mousse, c'est tout. Qu'est-ce que tu te dis? Tout à l'heure, il avait plus de PV, me semble. Ouais, peut-être, ouais. Ouais, j'ai ma garde d'honneur d'élus. Ils vont rester dans le coin, je peux plus le dire. Ouais, les élus, c'est une dinguerie, hein. Tellement fort. Faut vraiment les sniper avec des spells, en fait, je pense, si tu veux t'en sortir. Contre eux. Ouais, ouais, ou d'avoir des arquebusiers ou des trucs comme ça, ça marche bien aussi. T'as plus d'unité, meuf? Non. La vache. Bien GG, messieurs, c'était une soirée fort sympathique encore. Même si... GG. Encore une fois, je remets un bémol dessus et on en parlait déjà il y a des mois. Même si tu pouvais arrêter de stream snipe, c'est cool, mais après bon. Putain, tu m'en c'est un peu abusé ça par contre. C'est le pire. Franchement, je trouve c'est un peu relou quoi. Je l'ai créé avec Saint Sushi la compo, on s'était entraîné. J'ai juste fait charger la compo, j'ai changé une unité dedans. Putain. Ah bah voilà, mais c'est l'unité qui a fait toute la game. Et oui, voilà. C'était elle. Putain. Ah, c'est vrai, non mais je pense qu'en FFA, t'es obligé de jouer avec de la magie. Hein. Pour gagner des points gratuits en fait. Ouais. Genre tu mets un caster mobile, tu fais envoyer des petits spells à la con. Non, demi-tour. Je retourne dans Age of Sigmar, à plus tard. Regardez-le là. Il veut ma mort loin. Ma garde. Ah la garde. Ah la garde, arrêtez-les. Attends, tiens, prends ça dans ta mouise là. Paf. Il a rien senti, ça dégoûte. Je crois que t'as tué un chevalier breton devant. Attends, Monsieur quoi le président. Tu viens. Alpha, en rentrant dans tes troupes, t'as éjecté un mec à toi. Merde. En dehors de la mêlée, mais je savais pas que tu pouvais éjecter un mec comme ça. Non, il tient bien Arcan. Comme vous voyez, Arcachon, c'est juste qu'il est lent. C'est hein. Encore une porte, ça. Ouais, il se passe des choses. Ah, ouais, c'est le chien d'Eventis. Non, c'est une je crois fenêtre. Que c'est le chien. Ah oui, pardon. Non, mais il vit dans la Moria du Parlement, Eventis, donc forcément. Ouais, pardon, mais c'est le chien qui s'est remué. Bon, trop mal, fait une charge finale. Ouais. La marée de métal. Regardez, ils sont prêts à enregistrer un album de black metal, là, les gars. Waouh. C'est end time, ce bordel là. Ouais, c'est vraiment oh, putain, ça, tout parce ce qu'en qui plus, reste c'est de... le même gagnant. Tout ce qui reste d'élus, incroyable. Bon bah GG. GG à tous. GG à tous. La map était peut-être un peu trop... Je sais pas. Elle était un peu trop sombre, ça c'est sûr. Ah, il a fait 22 000 de dégâts, Arcan. Ouais. Ouais. J'ai gratté un peu de points avec lui. Il fait 26 000 avec la raid Bess. 26 000 ? Ouais. Putain. Mais elle a tiré longtemps. Hein. Ah oui, la vache. Ah oui, la reine baisse, ouais, ça pique, hein, ça picote. Putain, mais les gardiens du Graal chez Trauma, ils ont pas chômé non plus. Ouais. Hein. 120 kills, 108 kills, 12 000 de dégâts. Ouais, ils ont fait mal. Hein. Ah, ils ont meulé les zombies. Les zombies. Entre autres, ouais. Eh ben, messieurs, c'était fort sympathique. Ouais, oui, oui. J'espère que vous avez passé un bon moment, même quand Trauma stream snipait. c'est que la 30e fois que vous me le faites ce soir. Ça va que je suis patient. Et non, et plus on le dit, plus tu comprends que c'est une blague. Ouais, okay. Ça fait moins d'effet. Ah, parce que c'est une blague. Bon, du coup, Fred, si tu veux Blood Bowl, je veux bien tester un de ces quatre. Je veux bien tester un de ces quatre. Bien sûr. On se cale un soir. Ouais. Ou si tu veux, je sais pas, t'as déjà fait sur ton stream, toi?
Vite fait, après bon, on peut faire une game ou deux déjà, faut que tu choisisses ton équipe et tout, que je t'explique les règles, même si c'est pas très très compliqué, tu vas vite comprendre quoi. Ok. Mais oui, on peut faire ça en stream même si tu veux. Et ouais, et puis, moi pas forcément que je sois en live, genre en mode initiation chez toi, ça peut être un truc comme ça. Ah oui, aussi, c'est possible. On peut faire aussi ça comme ça. Mais, ouais, ça marche. Et ouais, on se redit ça. Ouais, ça roule. Pour se préparer aux 3. Voilà. Ça roule, faisons ça. Eh ben merci messieurs, c'était grave cool. Ouais, merci à vous. C'était bien chouette. Et puis bah, on se refait ça une prochaine. Tout voilà. À fait. Ça marche, avec plaisir. Et puis bah, des bisous. Et ouais, je vous laisse là et je te rattrape en MP pour... Ça marche, bah salut, ça. Ciao, bonne soirée. Ciao les gars. Ouais, des bisous. Salut. Ciao. Ciao. Disconnected. Hop là, et voilà. Allez, au revoir YouTube, j'espère que ça vous aura plu cette petite soirée. Petite soirée multi, Total War Warhammer. Comme d'hab, on se marre bien. À la prochaine. On va avoir beaucoup de multi prochainement sur des jeux Warhammer divers et variés, mais bref. Allez, des bisous. Salut.